On ne sait jamais. C'est un plaisir de t'avoir dans la maison. Bonsoir. Nous prenons quelques minutes pour tout ça. Tu as raison, Jérôme. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir. Il est 5h52, presque 6h du matin là-bas. Chez moi, il est 23h52. Il sera minuit dans 7 minutes. Donnez-moi 2 minutes. 2 minutes, je reviens. 2 minutes, s'il vous plaît. De retour. Bon, nous allons quand même commencer. On va y aller. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le coach arrogant a été remplacé par une équipe intermédiaire. Permettez-moi de localiser la note. Je vais localiser la note. Hein. Je trouve ça. Voilà. Voici donc un communiqué. Ça, c'est le communiqué final de la session du comité d'urgence
de la Fédération camerounaise de football du 28 mai 2024. Je vais vous lire ça et nous allons causer. Hein. L'an 2024, le 28 du mois de mai, s'est tenu par visioconférence une session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football sur convocation de son président, M. Etofi Samuel. Outre M. Etofi Samuel, président de la FECAFOOT, était présent. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez, c'est un succès? Est-ce que vous m'entendez, c'est un succès? Thank you, Nestor Kwam. Merci. Je dis donc, outre M. Etofi Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Madame Iko Mendomo Céline, première vice-présidente, Monsieur Abdul Karim, deuxième vice-président, Monsieur Jampi Arthur, troisième vice-président, Monsieur Micha Jean-Félix, quatrième vice-président, Monsieur Julien Blaise, rapporteur. C'est Joséphine qui me fait rire. Hein. Elle dit qu'elle a cru que la bonne nouvelle était que tous les gens du régime gouvernemental ont démissionné et ont libéré les innocents prisonniers. C'est aussi une bonne nouvelle. Je continue ici là quand même. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Les mesures à prendre au regard du comportement inapproprié de l'entraîneur sélectionneur national et ses assistants suite à la convocation qui leur a été adressée en date du 24 mai 2024. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 40, alinéa 11 et 49 des statuts de la FECAFOOT. Au terme des échanges concernant le point inscrit à l'ordre du jour, le comité d'urgence, considérant l'urgence de la préparation des rencontres de l'équipe Fanion comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, considérant les dispositions de l'article 40, alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT consacrant l'exclusivité du comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale masculine A. Considérant les prescriptions très pertinentes du décret numéro 214/384, du 26 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République du Cameroun. Considérant la réunion convoquée par le secrétaire général
à l'initiative du président de la FECAFOOT, en date du 28 mai 2024, en vue de la préparation des rencontres comptant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Considérant l'incident survenu dans le cadre de cette rencontre, au cours de laquelle des comportements inacceptables ont empêché la tenue des travaux prévus ce jour, notamment l'attitude du conseiller technique numéro 2 du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui ont convié aux travaux, à exiger du président de la Fédération la communication de l'ordre du jour de la réunion, instruction qu'il aurait reçue du ministre des Sports, faute de quoi aucune réunion ne pourrait se tenir. Considérant les propos irrévérencieux de l'entraîneur sélectionneur national, Marc Brice, à l'endroit du président de la FECAFOOT, considérant que le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, je reprends ça, c'est très important, considérant que le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, constate que le président de la FECAFOOT, à l'occasion de cette rencontre, tenait à rappeler à M. Marc Brice les risques qu'il fait courir à la sélection nationale au regard des différents manquements ci-après. Cinq manquements ont été listés. Premier manquement, le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétaire général le 10 mai 2024. Deuxième manquement, la publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT. Troisième manquement, le refus de communiquer son programme d'entraînement. Quatrième manquement, la prise d'initiative de travail isolé et la divulgation d'informations sur les joueurs à des tierces et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. Cinquième manquement, la non-communication dans les délais de la liste définitive des joueurs retenus pour les rencontres suscitées. Considérant que le comité d'urgence à l'unanimité de ses membres constate que ces manquements constituent une faute lourde de l'entraîneur sélectionneur national M. Marc Brice et ses assistants à l'égard de la FECAFOOT, que face à cette situation qui constitue un refus manifeste de collaborer de la part de l'entraîneur sélectionneur national, la fédération est en droit d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Considérant que le 10 février 2024, dans son discours à la jeunesse camerounaise, M. le président de la République du Cameroun a réitéré son désir de redorer le blason de l'équipe nationale fanion en lui apportant un encadrement technique
adéquat. Considérant que les enjeux actuels, notamment les rencontres programmées les 8 et 11 juin 2024 contre le Cap-Vert et l'Angola, comptant pour les éliminations de la Coupe du Monde 2026, nécessite que des mesures urgentes soient prises pour le déploiement effectif des membres de la structure d'encadrement technique, administratif et médical. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Première résolution. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, décide de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions Indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur sélectionneur par intérim, Monsieur Tungu Pile Martin. Boum, 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 boum. Félicitations, félicitations, Monsieur Tungu. Entraîneur adjoint par intérim, Monsieur Pagou David. Boum, 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 boum. Félicitations, Monsieur Pagou. Préparateur physique par intérim, Monsieur Tinke Gimgu Narciste. Résolution numéro 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne quitus au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres désignés par intérim de la structure d'encadrement au ministère des Sports, MINSEP, et à la FIFA, de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées, fait à Yaoundé le 28 mai 2024, le secrétaire général Blaise Djuna. Donc, mesdames et messieurs, le comité d'urgence qui s'est réuni a pris des décisions à l'unanimité. Donc, ils ont tous accepté ce que vous lisez, ce que je lis là. Nous avons désormais un nouveau sélectionneur par intérim à la personne de M. Tungu Pile Martin. M. Tungu Pile Martin est désormais l'entraîneur national, sélectionneur par intérim. Et l'entraîneur adjoint par intérim, M. Pagou David. Ce sont des Camerounais. Voilà. Préparateur physique par intérim, M. Tinke Gumu Narciste. Je dis félicitations. Tu ne peux pas aller dans un pays traiter un président de la FECAFOOT comme j'ai vu Marc Brice traiter Samuel Eto'o. Quel que soit ce que l'on t'a dit, il faut faire attention. Nous vivons parmi ces blancs-là. Nous savons ce qu'ils pensent de nous. Vous comprenez? Je vous ouvre le débat. Pourquoi vous êtes pressés, les gars? Je vous ouvre le débat. Mais sachez que je vais faire attention, il faut que je fasse attention. Il y a des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour me glisser les films porno, là. J'ai déjà au moins deux enquêtes qui sont ouvertes, qui sont en train de travailler à reculons. Pour localiser tout le computer, la personne, le lieu où ça s'est passé, parce que je veux poster tout ça sur Facebook.
c'est quand nous tolérons les énormités que ça nous suit. Je vous fais le débat. Mais ce n'est pas un débat, parce que franchement, je veux des gens qui viendront dire la vérité ici. Je ne veux pas des gens qui viendront s'accrocher sur le négatif. Ça ne nous aide pas, ça ne nous fait pas avancer. C'est une décision, c'est une décision que moi j'apprécie. Franchement, je suis un humaniste. Ce coach n'est pas compétent. Voilà qu'on nous a sorti 3 Camerounais qui vont faire le travail. Moi, je vais accepter le résultat. Et on va les confirmer. Ça commence par intérim, mais après, on vous confirme, c'est tout. Il faut remettre l'ordre. Il faut ramener l'ordre à la maison. Nous avons quand même l'INJS. Nous avons l'INJS ça depuis des années et des années. Un Camerounais nous a ramené un trophée olympique, Jean-Paul Akolo. Nous avons gagné les Jeux olympiques avec Jean-Paul Akolo, diplômé de l'INJS, qui a joué au foot. Ils vont aller nous chercher des gens qui viennent nous insulter. Hein? Ils vont chercher des gens qui viennent nous insulter. Les gars, vous voulez que je poste vos commentaires, soyez gentils. Parce que je veux prendre une minute pour lire ça. Vous pouvez faire une remarque sans insulter, vous pouvez faire une remarque sans porter de jugement bizarre. Je dirais bizarre pour être poli. Parce que je... Chokali, Raphaël, je peux te répondre. Je peux te répondre comme tu as écrit, mais je ne vais pas te répondre tel que tu as écrit. Parce que tu ne guides pas mon tempérament. Je sais de quoi je parle. OK? C'est un problème de racisme. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es incapable de le dire, moi je le dis. Il s'est vu comme un blanc et l'autre comme un noir. Et comme historiquement, les blancs nous ont toujours martelés, hein? Il a cru qu'il pouvait faire ça là-bas. Monsieur, personne ne choisit la couleur de sa peau à la naissance. Personne ne choisit son lieu de naissance. Personne ne choisit sa famille. On ne gonfle pas avec ça. Personne ne choisit sa tribu. Et quand j'ai un regard personnel, tu viens écrire ce que tu as écrit là vraiment, vous voyez, c'est pourquoi je risque de ne pas rendre le lien public. Parce que je ne veux pas que les gens glissent dans mon show pour venir tenir des propos comme ça. Ce que Chokali Raphaël a écrit là. C'est pas des distractions, les gars. C'est pas des distractions. Les gars sont comme ça, ils sont violents. Ils sont violents. Attendez que je branche mon truc. C'est un régime de violents. Qu'est-ce que vous pensez? C'est des gens violents. Bon, je vais quand même ouvrir la ligne. Je vais prendre le risque. Venez avec votre caméra en studio. Et quand vous êtes en studio, essayez de faire quelques gestes. Faites des gestes comme ça là, ou bien quelque chose que vous croyez que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Parce que ce que les truands qui utilisent l'intelligence artificielle pour enlever les gens des plateformes, c'est qu'ils prennent votre photo, ils mettent là, et tu as l'impression que c'est la vraie personne qui est en studio, qui est en train de solliciter l'entrée sur le plateau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que quand tu mets la personne sur le plateau, il lâche le film porno. J'ai déjà l'expérience en ça, les gars. Je recule un peu. Vous comprenez, les gars? Donc, ce n'est pas la distraction. C'est du sérieux. Donc, je vais quand même rendre le lien public et je vais voir comment on va gérer ça.
Les gars, sachez que moi, je suis aux commandes. Hein. Donc, si vous voulez venir, si quelqu'un est vraiment d'accord avec moi, d'accord, et tu n'es pas obligé de venir sur mon plateau, donner ton point de vue. Tu peux mettre ton téléphone, tu donnes ton point de vue. Hein. Ici, nous sommes des humanistes. Nous sommes en train de regarder la vérité. Nous ne gardons rancune à personne ici. Nous ne gardons de rancune à personne ici, là. Ici, nous ne sommes pas rancuniers. Diversité d'opinion, vraiment, je ne suis pas dans la diversité d'opinion. Je suis dans une analyse objective. Je suis dans l'analyse objective. Donc, vraiment, vous avez vos opinions, mettez vos téléphones, mettez vos ordinateurs et faites comme moi. Ne venez pas imposer ça ici. Ça ne va pas passer. Je vais bloquer. Je vais bloquer. OK? Je vais bloquer, vous pouvez me suivre après. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas confortable avec ce que je dis, ne venez pas. Parce que moi, je fais un travail développemental ici. Mes propos sont mesurés. L'intonation, le processus, je fais attention à ce que je dis. Parce que je sais que je plante dans les subconscients de ceux qui me suivent. Je ne veux pas qu'on aliène quelqu'un. Je ne suis pas de l'école des rancuniers. C'est moi qui dis ici que garder rancune à quelqu'un, c'est mettre le poison dans ton propre verre, le boire et souhaiter qu'il meure. L'heure des rancunes est passée. Je suis pour le mérite. OK? Tes efforts ne doivent pas... Tes insuffisances ne doivent pas occulter ton talent. Ou tes efforts. C'est ce que tout le monde est en train de faire. Et les gens qui croient que tu vas quitter le chez-toi, tu vas là dehors, tu te bats, tu brilles, et tu reviens sur ton marché, sur tes genoux. Je ne suis pas de cette école-là. Je ne suis pas de cette école-là. OK? Voilà. Le lien est public. Mais en venant, sachez où je suis. Que je vais bloquer, je vais bannir. Voilà. Sans remords. Ne jouez pas avec la vie des gens. Parce que l'argument de beaucoup, c'est que « Oh, il avait fait ci, oh, il a... » Qui n'avait pas fait quoi? Qui a toujours fait le bien dans sa vie? Qui? Si nous faisons un inventaire des problèmes au Cameroun, ou alors des fauteurs de troubles au Cameroun, si nous faisons un inventaire des fauteurs de troubles, et nous faisons ce qu'on appelle en anglais le ranking, c'est-à-dire qu'on les aligne des plus dangereux au moins dangereux. Est-ce qu'il sera parmi les 5 premiers? Il ne sera même pas parmi les 10 premiers. Il ne faut pas voir des gens rien qu'à travers nos visions limitées. Nous devons voir nous-mêmes. Des gens écrivent n'importe quoi. Quand tu lis ce qu'il y a sous la toile, tu mesures la quantité de pourriture qu'il y a dans les subconscients. Tu vas voir quelqu'un va dire, oh, il est tombé, oh, il n'a plus d'argent. Ça te regarde à quoi? Alors, Nest, quoi? Oui, chef, comment tu vas, grand? C'est bien toi. j'étais eu là en chemin, j'ai décidé de m'exprimer. J'ai souhaité de m'exprimer un peu. Tu ne viens rien gâter. Hein? Non, je n'apporte D'accord. pas. Je ne viens pas pour... En fait, mes remarques sont constructives. Hein. C'est ça. Je ne viens pas pour apporter, pour gâter, quoi, pour apporter plus de sel dans la soupe, mais je pense que c'est tout. C'est notre pays et ce qui se passe là. Nous devons apporter une lecture, une compréhension de notre part et voir comment on peut grandir ensemble. Mm-hmm. Je donne 80%. Bon, je ne donne pas de pourcentage. Je pense que Samuel était dans ses droits. Très bien. Il est dans ses droits. La Fédération camerounaise du football est beaucoup plus dépendante de la loi de la FIFA que de ce qui se passe là-bas. Ce qu'il fait, il est dans ses droits. Je lui donne 80%, même 85%. Mais je pense que aussi, mon frère Nana, je voudrais qu'il soit inclusif. Quand il dit inclusif, c'est que la démarche du ministre n'a pas été bonne. Je pense que ça dépend. On l'a dit que la nomination des leaders, de l'entraîneur, de son staff, ça dépend de l'Afrika Foot.
Ça ne dépend pas du ministre des Sports. Ça, c'est l'idée que j'ai. Je pense que ça dépend de la FECAFOOT, des leaders de la FECAFOOT. Ça, c'est d'après les tests de la FIFA. Donc, ce que le ministre a fait, il s'est ingéré dans cette situation et il a cru qu'il détient tous les droits. Puis, je pense qu'il y a une erreur de leur part. Parce que la FIFA, beaucoup plus, écoute plus la FECAFOOT que la politique. C'est une fédération. C'est beaucoup plus apolitique. Ça, c'est ce que nous tous, nous savons. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une erreur. Attends un peu, Nestor, attends un peu. Alors, Raoul, c'est toi ? Oui, c'est bien moi, c'est bien moi. C'est bien moi. D'accord, merci. Je connais ta voix, donc je voulais juste entendre ta voix. Continue, Nestor. Si monsieur Nardon, c'était sa voix. Je pense que monsieur Etofil est dans ses droits. Ce qu'il fait là, c'est d'après la loi, d'après le tutelle, d'après les tests de la FIFA. Il fait bien. Aujourd'hui, j'ai vu, non, j'ai fêté mon Facebook, je voyais, ça peuplait là, les interactions entre M. Eto'o et le coach Blanc, pour moi, qui est comme désespéré. Moi, à sa place, j'aurais démissionné depuis. Parce que les grands hommes ne se comportent pas comme ça. C'est comme s'ils se supplient. Ils supplient pour être coach de Lyon. C'est comme s'il n'a pas où aller. Il aurait démissionné depuis. Ça, c'est pour moi. Quand tu connais ta valeur et ta grandeur, tu ne te bats pas pour entrer, il faut que tu toques à une porte, il faut que tu es rejeté. Pour moi, il aurait démissionné depuis. Ça, c'est ma conception. Donc, je pense que le blanc, il serait parti depuis. Laisser la bouillabaisse, le désordre qu'il y a au pays, partir et aller chercher dans d'autres cieux, cogner à d'autres portes. Parce qu'il n'est pas la bienvenue, ça se voit. Le blanc, non ? Le blanc n'est pas la bienvenue. Le blanc, là, n'est pas la bienvenue. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il faut insister. Il est entré par d'autres portes et on n'ouvre pas la porte. Mais démissionne, non. Pourquoi c'est dur pour lui comme ça? Je pense que c'est ça. Moi, je pense que s'il était un peu digne, là, il serait parti que non. Ici, c'est le désordre. Ici, on ne m'aime pas. On ne veut pas m'ouvrir la porte. Je jette des éponges. C'est ce que je pense. Bon, et aussi pour M. Samuel Eto'o. Excuse-moi de dire ça. Il doit être inclusif. Inclusif pour moi, c'est que accepter aussi la différence. C'est M. Samuel Eto'o a mis le nom du blanc là à la fin. Celui qui a mis ce nom de blanc, il a ajouté certains gars aussi. Il l'a enlevé au Mambi, d'accord. Mais après tout, j'ai un problème avec lui, mon frère Nana, la consistance. Oui. La consistance. On a vu son équipe dans la CAN. Il est allé à la CAN avec des amateurs pour moi. Pour moi, c'est des amateurs. Il n'a pas diversifié. Il a pris tous les leaders, il les a mis de côté. On n'a rien foutu à la CAN parce que la vision qu'il avait, c'était recommencer tout à zéro. On ne peut pas en guerre avec seulement le bazooka. On va avec le bazooka, on va avec les chars, on va avec tous les éléments pour gagner. Je n'ai pas vu ça dans la gestion technique de M. Samuel Eto'o parce que je ne m'en prends pas au coach. Parce que pour moi, le coach, c'était qu'une représentation. Le vrai coach, c'est Etofis qui faisait tout. C'est Etofis qui va en Europe chercher les joueurs. C'est Etofis qui dit au roi que hey, les places seront chères. Oh, ça sera cher. C'est Etofis qui faisait toutes ces danses-là. Moi, je pense qu'il doit être inclusif. Inclusif veut dire que prendre toutes les valeurs et les rassembler, les mettre ensemble. Si tu as un litige avec le père de Choupo-Moting, appelle Choupo-Moting, il est valeureux pour le Cameroun, ne le chasse pas. Choupo-Moting est en train de péter la forme aujourd'hui, c'est pas pourquoi on n'est pas allé à la CAN. Moi, je pense qu'il y a de ces coups bas-là que je pense que Etofis doit travailler pour inclure tous ces éléments pour qu'on puisse gagner. Ce qu'il fait, il fait un travail de titan. Déjà, sur le salaire des joueurs, des gars qui jouent en seconde division, comment il est en train de construire et rebâtir la FECAFOOT, je lui tire chapeau avec ça, mais il n'est pas aussi sain. Il a ses problèmes de rancune et il prend ça personnellement au détriment de l'unité nationale. Moi, si je suis devant Etofis, je veux dire que Etofis inclut les valeurs, ne regarde pas les problèmes personnels, inclut les valeurs pour qu'on aille gagner. Si tu as rêvé qu'on va gagner la Coupe du Monde, apporte toutes ces valeurs-là, apporte Boubacar Vensa, apporte Choupo-Moting. Le jeune gars qui avait sorti le corner, Boubacar marqué là, il sait pas, on ne l'a pas jamais pu appeler. Je ne vois pas une consistance dans la sélection de M. Samuel Eto'o. Ça dit que les valeurs, il les met de côté. Le jeune gars là, de 17 ans sort d'où? Il sort du nuage comme ça, il part à la canne. Moi, je pense qu'il y a un désordre dans le système technique de M. Samuel Eto'o. Il n'y a pas une consistance. On a grandi au pays, on voyait que Koundé, Oman Big, ils étaient consistants, on allait gagner les trophées parce qu'ils étaient consistants. 4 ans, 5 ans, l'équipe était là, ils étaient soudés, ils se connaissaient. Mais aujourd'hui, regarde, on va en Coupe d'Afrique, on vous joue 4 matchs avec 4 équipes différentes. Il y a un problème pour moi.
Et c'est ce quoi je pose à M. Samuel Eto'o. Cette consistance-là. Écoute, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Malheureusement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. J'ai fini avec ça. Mais je pense que Eto'o Fils a raison. Il est dans ses droits. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, avec tes constats. Et je pense que le ministère devait l'aider avec ça. Il y avait communication entre eux et la hiérarchie. Je suis et que la presse était au courant. Parce que ce n'est pas des choses qu'on ne fait pas derrière. C'est que nous serions en train de supporter l'acte du ministère aujourd'hui. Tu vois un peu. Je suis tout à fait d'accord. Et puis la vérité, c'est que tu ne peux pas lui demander de faire ce que personne ne fait. Tu veux qu'il soit consistant, qu'il soit cohérent, qu'il soit inclusif. Le régime l'a fait ça. Non. Moi, je pense que M. Tamir se apporte un sens nouveau dans le sens. Il est meilleur dans le sens de la gestion des fonds, de le payer les joueurs. Ça, on n'a pas vu ça avant. Ouais. On n'a pas vu ça avant. Je lui tue chapeau. Ça, c'est magnifique. Il ne peut pas tout maîtriser. Et puis, ça, c'est magnifique. Il travaille avec des gens qui ne veulent pas du bien des Camerounais. Mm-hmm. Il ne voit pas que subitement le mauvais réflexe là peut. Ouais. Ça peut être bâtard. Je vois comment il est en train de construire la CAF, là, enfin, le centre technique. Là, ça, les IAM n'ont pas fait ça. Les gens d'avant n'ont pas fait ça. Je pense qu'il fait du bien, mais je pense que je voudrais qu'il ait un esprit inclusif, comme je viens de dire. Je te dis que tu as raison. Moi, je n'ai rien à ajouter sur ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que tu as mis en exergue, là, c'est les limites à l'intelligence émotionnelle. Et je pense que c'est ce que le ministère de la Jeunesse, c'est ce que le ministre de la Jeunesse et des Sports devait l'aider à maîtriser. Il a un quotient intellectuel footballistique très élevé. Mais le côté émotionnel, là, tu as parlé de la variabilité des équipes due à son tempérament, son implication dans la formation des équipes. Je comprends ça, nous le savons tous. Ouais. Mais pourquoi quelqu'un vient l'insulter comme ça, devant nos yeux? Mon frère, il quitte la Belgique pour venir dire qu'il a été coach pendant 3 semaines. Il quitte la Belgique pour venir dire qu'il a fait deux mois au Cameroun et tu étais où? Je pense que le blanc là est désespéré, il ne sait pas où aller. Les vrais blancs démissionnent depuis. Le gars là ne sait pas où aller. Il allait loin. Il devait démissionner depuis. Il est venu au Cameroun là depuis 2 mois, il n'a pas rencontré Eto'o Fils, ça ne lui dit rien. Le chasse, on lui revient. Il croit que c'est Eto'o qui devait le rencontrer. Moindre chose, il dit que c'est sa responsabilité. Il n'a aucune responsabilité là-bas. En tout cas, on lui a tout enlevé. Les pays civilisés comme ça, là, il aura jeté les éponges depuis et parti. Mais oui. Parti depuis. Mais oui. Mais parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas sur quel pied danser, il ne peut que courir. Non, il parle entraîner son équipe. Il parle entraîner l'équipe nationale de son pays. Nous avons déjà des gens qui vont entraîner notre équipe nationale. Raoul, tu es là, tu veux dire un mot? Oui, je suis là. Moi, je vous écoute. Là, moi, je veux entrer dans le fond. Moi, puis tu parlais plutôt de la forme. Oui. Dans le fond, gérer la FECAFOOT, ça, je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune envie de parler de ça. Moi, il parle de la forme, Nestor. Oui. Quand je vois ce qui s'est passé ce matin, les vidéos là, je ne suis pas sûr, Nestor, que si toi tu es un patron, même à ton subalterne, tu lui parles comme ça. Je t'assure. Je ne suis pas sûr que tu parles comme ça à tes collaborateurs. Jamais, même pas à mes enfants. Personne. Autant bien du côté des taux que du conseil du ministre. Là. Quand on est responsable, il y a une façon de s'adresser à ses subalternes, à ses collaborateurs. Il y a la forme. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans tout ça. Là. Non, mais Eto'o était pour toi. Si les gens sont d'accord avec cette façon de se comporter là, Adang Gandhi a dans son droit de faire ce qu'il faut Camerounais. Si moi, je suis d'accord avec la façon de parler de Bagné, de Zévolte là, ça veut dire qu'Adang Gandhi est dans son droit. Puisque dans la forme, c'est un imbécile, c'est un sauvage. En disant que tu peux être contre, quelqu'un peut te manquer de respect. Si la FECAFOOT a des textes, tu as manqué de respect au président, qu'est-ce qu'il a fait? On fait un conseil de discipline, on te sanctionne selon les lois, sans lever le ton, sans crier, sans faire du show. Non. Moi, c'est vrai que McDonald's dit que non. Mais est-ce que la FECAFOOT a des lois, des textes qui prévoient des sanctions en cas de manquement d'un comportement déviant de ses membres? On applique simplement la loi, sans lever le ton, sans crier, sans faire rien. Ça, c'est la forme, hein, parce que si la forme, là, les gens sont d'accord avec la forme,
Ça veut dire qu'Atan Ganji est normal quand il parle au Camerounais. Parce que lui, il emploie les mêmes méthodes. Hein. Ils sont tous dans le même système. Donc, si on est d'accord avec la forme-là, donc, acceptons qu'Atan Ganji nous parle comme si on était des enfants. Non, je peux jouer les vidéos. Hein. Je les ai. Hein. Je te dis que... Oui. Non, je te dis que... Quelle que soit la façon avec laquelle on lui a parlé, je ne suis pas d'accord avec ça là. Il y a une façon, quand on est responsable, de réagir. Réagir de manière... Mais, tu es dans mon bureau, je n'étais pas invité chez moi. Ok, j'ai une réunion avec mes gars. Reste dans le bureau. Quand j'ai fini avec eux, si le ministre a un mot qui veut nous passer, quand on aura fini notre réunion, tu viendras nous t'adresser à nous. Pour le moment, c'est une réunion entre moi et mes techniciens. Quand je vais finir avec ça là, si tu as un mot à nous dire, tu viens nous voir. Dans mon bureau, reste là pendant 5 minutes, s'il te plaît. Ça va prendre une heure de temps. Si tu as le temps, ça va prendre une heure. Après une heure, je te reviens. Et puis, si le ministre, mon tutelle, a un message à nous adresser, tu viendras après. Pas besoin de crier. C'est la forme. Si on n'est pas, si on accepte que cette forme-là, soit n'importe quoi, qu'on accepte que nos dirigeants nous parlent de n'importe comment, acceptons-le en disant que, il ne manque pas de respect. Et Raoul n'a pas bien suivi les vidéos là. Et Nestor, non, attends, Nestor, j'ai suivi. Quels que soient les propos qu'on t'a donnés, Nestor, si tu gardes un fagot de bois avec des fourmis dans ta cuisine, ne sois pas surpris que les lézards te visitent. Ceci s'applique autant bien à Marbrise qu'à Eto et à Tolo. Si tu gardes un fagot de bois avec des fourmis dans ta cuisine, les lézards vont venir te rendre visite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la forme. Dans le fond, là, moi, je... Ça, c'est la forme. Moi, je tiens à la forme. Il faut qu'on ait un décorum dans ce qu'on fait. Ayons un décorum, s'il vous plaît. Et est-ce que... Oui, tu as mal parlé au président de la FECAFOOT. Nos textes disent que quand tu manques, quand tu as une question de discipline, on fait comme ça, là, on te sanctionne. Moi, là, je suis... Pas bah, dire trop, là. Non. Respectons, est-ce qu'il y a des lois qu'on respecte? Est-ce qu'il y a des textes qu'on peut respecter? Nestor, est-ce qu'il y a des textes qu'on peut respecter? Oui, il y a des textes, non, Raoul. Il y a des textes. Appliquons donc les textes sans. Les textes disent que la c'est la FECAFOOT qui nomme l'équipe. C'est pas le ministre des Sports, oui. La jeunesse des Sports. En même temps, en même temps, les mêmes textes disent que tu envoies ça au ministre qui va approuver ton choix. Donc, ça veut dire que ton choix là-même est dépendant de quelqu'un d'autre. Non, la FIFA estime que ce que la FECAFOOT donne est définitive. Attends, Nestor, ils ont bien dit que c'est là. Mais en même temps, tu as allé signer un accord avec ton gouvernement qui te dit, va d'abord régler les premiers points du gouvernement là, avant de venir me voir. Ce que tu dis est final. Mais toi-même, tu as signé un accord avec quelqu'un qui dit qu'il est encore ta tutelle. Va, donc, tu dis qu'on s'est mis, la FECAFOOT, pendant la nomination, s'est mis dans une situation inconfortable où elle s'est liée elle-même les mains en disant que c'est encore le ministre qui va approuver ce que nous-mêmes on a décidé. Donc, si les textes sont complets, il y a un caractère binaire de la FECAFOOT, disons, quand il dit binaire, hybride, FECAFOOT dépend plus même de la FIFA que de l'État. Hein. Très bien. La FIFA, finance. Très bien. Mais à l'interne, là, tu as dit, tu vas être ma tutelle, je vais proposer, tu vas valider et tu vas payer. Et tu peux aussi proposer et je valide. Donc, il y a comme... C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'entrer dans ce détail-là. Il dit que c'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est que ayons du décorum dans ce qu'on fait. Tu ne peux pas venir insulter quelqu'un en public ou mal lui parler. Ce n'est pas normal. Que ce soit Marbis, que ce soit Eto, que ce soit Ntolo, tu ne peux pas venir dire que je... Ouvre la porte, hein. Aïe, entre nous. Attends un peu, calme-toi. Je vais jouer une vidéo. Tu me montres... Là où Samuel Eto'o est excessif. Moi, je crois qu'il a été très, très mesuré, très, très courtois, très, très poli. Et les seules fois où il a élevé la voix, vraiment, moi, je sautais même les coups de poing. Pas toi, le coup de poing. Non. Tu vas jouer au karatéka là-bas. Moi, quand tu dis à quelqu'un, je suis le seul patron ici, c'est moi qui parle ici. Non. Moi, pour moi, laisse que je joue. C'est 3 minutes seulement. Ok. Ernest, tu suis, non? Mm-hmm. D'accord. Ouais, le volume est bas. Oh là là, attendez. Pourquoi le volume est bas comme ça?
pouvez télécharger ça. Hein. Vous entendez? J'entends, oui. On a vu la vidéo. On a tous vu cette vidéo-là. On a vu ça, Bama. Nana, monsieur, on a vu tout ça. On a vu ça. Quel est le problème? Est-ce que Raoul reproche ici? Non. Non. Ici, il y a une vidéo où il dit que c'est moi qui parle ici, la sortie d'ici. Il dit que tout ça là, n'est-ce pas? Il dit, quand, oui. Autant bien du côté du monsieur là, qui est venu dans un lieu où il n'est pas invité, où il n'est pas supposé être là, en principe. Et lui, ayons du décorum dans ce qu'on fait. Tout simplement. Le fond là maintenant de leurs problèmes. Et en plus, n'oublions pas que quand il y a ces affaires-là, il y a un background aussi qu'on va avoir en tête, qui est la situation de notre pays où tous ces gens-là appartiennent à un même camp oui. politique. Mais ça ne doit pas nous rendre insensibles quand même. Hein, non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est possible qu'ils soient en train de régler leur compte entre eux et passent par l'Africa Foot et passent par nos sensibilités pour pouvoir gérer leurs problèmes qu'ils ont personnels d'argent, d'ego et autres. Ça, là, c'est juste. Et on se sent vraiment en tête. Mais, Nestor, je ne suis pas confortable de voir un responsable du Cameroun s'adresser à quelqu'un d'autre d'une manière. Je ne suis pas confortable. Autant bien que Katanga Jinou fait ce qu'il sort là. Autant les menaces. Ça nous rabaisse. Oui, un blanc n'est pas venu au Cameroun faire comme il veut. Ça là, je suis d'accord. On n'est pas. Ça là, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de discuter. Mais tu as manqué d'être sur la route. Le comité de discipline va s'asseoir, même en urgence. On te sanctionne. Point barre. On ne lève pas la voix. On ne dit pas que j'ai le meilleur joueur du monde. Tu ne peux pas parler comme ça chez toi. Non. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Je te le fais savoir qu'ici, là, j'ai une loi et tu fais chier. J'applique ma loi. Point barre. Je ne te parle même pas. Je t'écoute et puis je te sanctionne. Simplement. Parce que moi, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt comme si il y a les caméras. Ça fait le show. Ça fait le buzz. On va crier. On va être content. Mais, hey, quand même. Parce que maintenant, là, Nestor, entre nous, est-ce qu'il y a un texte de loi de la FECA Foot qui prévoit que tu as fait une faute, on te sanctionne et on te met intérimaire? Pense à simplement, dis que voilà, la loi dit que ABC, tu as fait ABC et tu as D comme conséquence. Et on s'arrête là. Et c'est tout. Pas besoin de faire le show. Avec ça, on sait que tu appliques la loi, tu es avec simple. Ça, c'est selon moi. Le reste, là, il dit. Je voudrais insister que la FIFA n'écoute que la FECA Foot. Hein. Là, elle n'est pas le problème. Pas, elle n'écoute pas le ministre des Sports. Là, ou bien mon problème. Ou même Bia. Là, elle n'est pas mon problème. En même temps, notre président de la FECAFOOT, quand il était à France 24, a dit qu'il va proposer l'entraîneur et c'est le président de la République qui va approuver. Paul Biya n'est pas la FIFA. Hein. Lui-même a dit que c'est Bia qui approuve son choix. Il n'a pas dit que c'est la FIFA. Il a dit que c'est Bia qui approuve son choix. Lui-même, il a dit. Donc, ne me dis pas que c'est la FIFA. Non. Lui m'a dit que je vais proposer. Bia va approuver. Donc, comment tu veux dire que la FIFA? Donc, lui-même, il sait que si la FIFA même est contre, et si Bia est pour, il va prendre Bia, non? Il n'a pas dit que mon choix sera approuvé par la FIFA. Il a dit que non. Je vais proposer, et Bia va approuver, et puis ce sera comme ça, là. Il a bien dit. Donc, moi, je te dis encore, peut-être que tu ne m'as pas compris, la FIFA n'écoute que la FIFA. Oui, je suis sûr. Si la FIFA se concerter avec Bia ou bien avec le ministère des Sports, ça lui est égal. La FIFA n'écoute que la FIFA. Dans ce cas-là, que Essoamé et tout disent donc, hein, je m'en fous du gouvernement camerounais, voilà mon équipe, et puis j'envoie la FIFA, avec que pourra. Non, je pense qu'il n'a pas voulu faire ça. Aujourd'hui, les vidéos là, ça montre un terrain d'entente que M. Samuel Eto'o a créé. Il a créé une équipe jumelle. Il a accepté l'entraîneur que le ministre a proposé, certes, il a enlevé certaines personnes, il a jumelé. On est en train de tomber dans la forme que je ne voulais pas. Parce que maintenant, la suite a fait, je ne sais pas, s'il estime que son choix n'est pas celui du président, hein, qu'il envoie donc son choix à la FIFA et il assume les conséquences. Point barre. M. Samuel Eto'o cherchait un terrain tampon. Un tampon aujourd'hui. Il venait le blanc là venait pour qu'on travaille pour les deux échéances de matchs qui arrivent bientôt là. Mon frère, un terrain tampon, une situation politique où tu avais tes partenaires politiques. Allez dans votre cuisine, faites la cuisine, arrangez-vous. Si ça ne marche pas à l'extérieur, hein, que chacun porte son pantalon comme homme. Voilà ma liste, hein. J'envoie la FIFA parce que c'est moi qui écoute là-bas. Point barre. Avec que pourra. Mais allez d'abord en tant qu'homme, en tant qu'humaniste, allez dans vos cuisines, faites votre cuisine interne. Pour parler en privé.
pour parler à l'extérieur. Arrangez-vous et venez me montrer un visage. C'est l'objet de la séance d'aujourd'hui, non? Il n'y a pas de pourparlers, mon frère. Ils vont se rencontrer au ministère là-bas. En tout cas, avant de se rencontrer au ministère, je suis sûr que l'Africa Food ne... Nestor, c'est parce que n'importe qui là-bas, n'importe qui à part temps fait la négociation, estime que je vais gagner. C'est mon choix qui est le meilleur. Je pense que le monsieur Tolola est venu avec un esprit condescendant. Il est venu comme étant le boss. Il parlait comme il voulait. Et il est au fils, il a son ego, il a sa fierté. Il ne peut pas se faire... Quand tu ne le respectes pas, il fait comme il a fait là. Le monsieur est venu avec un esprit condescendant pour mater les gens. J'ai bien dit cela, que si tu gardes le fagot de bois avec les fourmis dans ta cuisine, le lézard va entrer. Tolola lui-même, il s'est comporté comme ça. Là. Je dis qu'effectivement, C'est un autre débat, les gars. Tous ont eu le même comportement. Non, ça c'est un autre débat. Et que le problème n'est pas que tous ont le même comportement. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le débat ici était, est-ce que la réaction des taux était correcte? Non, c'est pas dans ça. Dans la façon à laquelle on s'est comporté, chacun a droit à un respect. Tu ne parles pas à quelqu'un, même un collaborateur, non, que tu ne dis pas. Moi, je suis d'accord. Maintenant, comment est-ce que moi j'ai réagi parce que tu m'as mal parlé en tant que ton supérieur? S'il y a des textes qui provoquent que tu es sanctionné, ils appliquent, ils sanctionnent. Demande explication, tu expliques, on te frappe. Point barre. Dis que je suis le meilleur joueur du monde, est-ce que tu parlais comme ça là et puis il a vu le ton? Non. Je suis inconfortable. Je préfère que tu appliques les textes qui te donnent le pouvoir de sanctionner. Sanctionne-le avec la dernière énergie. Fine. Sans dire que je suis le meilleur du monde, je ne te pas parler comme ça. Là, il peut le dire. Non. En quoi ça gêne dire qu'il est le meilleur du monde? Parce que la fonction qu'il occupe là-bas, ce n'est pas juste le terrain, c'est gérer. Donc, il fait référence à un passé qui n'a pas de lien avec la fonction de président de la FECAFOOD. Non, c'est la gestion. Ce n'est pas. Nestor, non. Ce n'est pas parce que tu es un bon gestionnaire. Il est gestionnaire. Qui parle par rapport à la gestion de la fédération, pas par rapport au fait qu'il a joué au football. Non, Raoul. Raoul, je pense que toi-même, tu as le macabre des deux. Je pense aussi qu'il a le macabre des deux. C'est pas ça, Raoul, non. Raoul, écoute, Raoul. Et tout ce qu'il s'agit en Espagne, Est-ce que c'est parce que tu es un bon médecin que tu peux être un bon gestionnaire de l'hôpital? Pourquoi pas? C'est pas ça le point. Le travail que monsieur est office fait là. Il n'a pas de couleur. Attention. Ce n'est pas aller marquer des buts. Non. Non, c'est pas ça le point. Il a une bonne compétence en football. Ça là, c'est zéro. Mais il gère une fédération où c'est l'administration, c'est la gestion publique. Ce n'est pas la même chose, mes frères. Ouais. C'est pas ça le point. Raoul veut passer son point. Il veut imposer son point. Je ne veux pas parler à Raoul. Je ne veux pas parler à Raoul. Pardon, t'as déjà écouté, s'il te plaît, je veux parler. Monsieur Samuel Eto'o a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait auparavant. Il est quitté de joueur à ce poste-là. Il est en train de transformer positivement. C'est vrai que je ne veux pas dans le fond. Je parle plutôt de la forme. Au début, j'ai dit que je veux le fond. Je parle que tu n'as pas fait les joueurs à 200 000, qui a fait ça avant? Tu me parles de quelle forme? Ouais, Nestor, j'ai dit que je n'ai pas le fond. J'ai parlé de la forme, pas du fond. Parce que le fond, c'est différent. J'ai pas de la forme. On ne s'adresse pas comme ça à ses collaborateurs. C'était mon problème. J'ai pas dit qu'il n'a pas travaillé. Je ne suis pas là-dedans. Il a fait ce que tous ces gens n'ont jamais fait. Je ne parle pas de la forme. Il y a tous ces. Est-ce que j'ai dit qu'il n'a pas travaillé? Nestor, est-ce qu'il n'a pas travaillé? Je ne suis pas en train de parler du fond. Je parle de la forme. Je comprends ce que tu dis, Raoul. Raoul, le problème, c'est que. Je pense que tu la forme, c'est la conséquence du fond. Quelqu'un parle de lui, mais c'est pas, je vous comprends ce que tu m'as dit. Oh, il explique. La forme, c'est la conséquence du fond. Tu me parles de quoi encore là? Moi, je pense qu'il faut louer. Là, c'est bon, hein. Il faut dire que c'est bon, même si tu n'aimes pas le personnage. Mm-hmm. Monsieur Samuel Eto'o est en train de révolutionner l'Africa Foot. Alors, on fait un débat, tu dis que je n'aime pas les personnages. Est-ce qu'on a besoin de l'aimer quelqu'un pour l'apprécier ou bien pas possible? J'ai l'impression que tu as son macabre et tu ne veux pas. J'ai l'impression que tu n'as pas parlé. Par rapport à quoi, mon frère? C'est l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, moi je ne connais pas. Parce que je n'ai pas ton macabre, mais il dit que par rapport à la forme, moi je suis inconfortable, qu'un responsable parle à ses collaborateurs de cette manière-là. J'ai bien dit, que ce soit Marc Brice, que ce soit lui-même, ou bien le ministre-là, on ne parle pas comme ça à des êtres humains quand on est dans un milieu de travail. Ça, c'est mon problème à moi. Qu'il est bien travaillé, ça ne me concerne pas. Mais il dit qu'on ne parle pas comme ça aux gens.
Moi, je pense que M. Samuel Eto'o sort de loin. Il a joué en Europe là, il a été pas inclus sur beaucoup de plans. Il connaît comment on traite les gens. On le connaît, vous connaissez son histoire, mais il ne veut pas que dans son pays, le même traitement arrive quand un blanc vient, vient le faire chier. Il a une histoire aussi. Il a une histoire. Il a vécu en Europe, il a été chassé partout, mais son talent, il a imposé pas son talent. Il a pu être le meilleur baron de l'Europe. Là, on a refusé, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Oui. Et Tofis a prouvé pas son talent, mais il n'a pas été inclus. Je peux dire quelque chose, Nestor. Peut-être que c'est ce comportement qui a fait qu'il ne donne pas, parce qu'il avait peut-être des qualités d'humaniste qu'il n'avait pas dit que, mais tiens, est-ce qu'il rentre vraiment? Peut-être, mais les gens sont chauvins. Les Européens sont chauvins. Nous sommes ici aux États-Unis. Ouais. On voit comment on n'est pas inclus là. On voit comment on n'est pas inclus parce que la couleur de ta peau, bien avec ton accent en anglais, on sait ces choses-là. Moi, je suis pour Samuel Eto'o dans ce cas-là. Hein. Tu ne peux pas venir dans mon pays me faire du chantage. Les gens ne comprennent pas. J'ai bien dit qu'il a raison. Est-ce qu'il dit qu'il n'a pas raison? J'ai dit que c'est dans la forme. Ouais, pourquoi les gars se disent cela? Je ne veux pas comprendre. C'est la forme qui me met inconfortable. Je n'ai pas dit que c'est le fond. Il a raison. C'est la forme. Oui, Raoul, attends. Même la forme dont tu parles. Qu'est-ce que Raoul parle de forme? Il ne comprend pas. Ta forme, pour lui, c'est quoi? Un peu. Laisse-moi un peu. Ton fils parle comme le prêtre parle à quelqu'un. On se comprend. Il parle de quelle forme? Je ne comprends pas. Raoul, tu viens à l'Occident. Tu veux parler de prêtre? Oui. Hein? Tu veux qu'il parle comment au gars là? Le gars là doit démissionner depuis. Il n'est pas welcome. Il doit partir. Tu parles. Tu as mal parlé. Mais peut-être que tu t'es mal comporté. Conseil disciplinaire, on te sanctionne. Pas besoin de lever le ton. Pas besoin. C'est ça mon problème. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison. C'est la forme qui me dérange. Je n'ai pas dit que c'est la forme. Raoul, vraiment, Raoul, entre nous, hein, si tu peux vraiment croire en nous, je te dis, tu peux me faire confiance. Moi, je te connais, tu es quelqu'un de bien. Et c'est pourquoi je te laisse déballer. Je parle fond. Et, oui. On a le même point de vue. C'est que on a le même point de vue. Tu es pas d'accord. C'est la forme qui me dérange. Nous avons le même point de vue, mais il faut, même au niveau de la forme, je pense que les gens qui sont venus de l'extérieur ont tout faussé. Parce que, Nestor, je ne suis pas sûr. Toi, peut-être tu aurais levé le ton, oui, mais je ne suis pas. Ce qui est sûr, toi là, Nestor, je suis convaincu que tu aurais agi différemment. Tu aurais pris le monsieur là, mais dans un coin et le frapper de manière qu'il lui a dit que. Hey, le type se me fait ça. Tu aurais agi différemment, Nestor. Je te connais. Tu aurais agi. Je connais un peu, Nestor. Tu l'aurais mis dans un coin là et le pincé bien même. D'une manière où il lui a dit que. Aïe! Je suis sûr, mais sans passer par. Nestor, toi, je suis sûr que tu aurais pris une forme différente pour le frapper, pour le montrer que toi, là. Hostile. Tu es dans mon oreille. Oui. Chacun son style, là-haut. Et ça, il dit donc que ce qui me met inconfortable, c'est cette forme-là. Qui je pense que Raoul, la colonisation. Voici ce que Raoul dit, parce qu'il faut bien le comprendre. Hein? Il faut que ceux qui nous suivent comprennent bien Raoul, parce que quand Raoul parle de forme, il est en train de vouloir dire que quel que soit ce que l'autre a fait, il pouvait trouver un moyen non violent, non brutal, pour les mettre à leur place. Sans élever la voix et sans permettre que l'autre puisse contrôler ses émotions. C'est ça, c'est tout. Parce que, non, je te comprends, mon frère. Nous sommes ici. Nous sommes ici, je te comprends. Donc, et tu devais réguler ses émotions et dire, bon, au représentant du ministre, d'accord, vous êtes venu interdire une réunion ici. Sachez que vous ne pourrez pas le faire et je vais vous mettre dehors tout de suite, sans crier. C'est ce que Raoul dit. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et il dit, et au coach, il pouvait trouver un moyen de dire, mon cher coach, je suis le patron du football ici, soit vous restez pour la réunion, soit vous les suivez, et mon comité va prendre la décision. Sans c'est crier. Tout. C'est sans ce que Raoul est en train de dire. Mais monsieur Nana, les gens ont des personnalités. Oui, c'est clair. C'est exactement ce que je voulais dire. Les gens ont des personnalités différentes. Monsieur Samuel, il a sa personnalité. Quand tu ne travailles pas, c'est pourquoi on disait, Raoul, c'est pour cela que tout à l'heure, nous sommes tous tombés d'accord que sur le plan de l'intelligence émotionnelle, ils sont proches de zéro. Parce que pour se comporter, comme j'ai dit là, il faut travailler sur soi de manière. Pourquoi alors souvent on apprécie un gestionnaire que non, celui c'est un bon patron?
parce qu'on sait que le Baou Patra a géré les êtres humains d'une manière. Donc, c'est pour ça qu'il dit que, mais. Intelligence émotionnelle. En termes de gestion, il y a un gros déficit. Oui. Pas seulement du côté même de Beto. Il dit même aussi la fait qu'à foutre lui-même. Même si le ministre là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir et puis te mettre. Ouvre la porte. L'instant, comme a dit la même chose tout à l'heure, nous sommes d'accord avec ça. Ça que j'ai dit depuis. Donc, qu'il est bien travaillé ou qu'il n'est pas travaillé, que je l'aime pour là, c'est, ça, ce sont les sujets que les gens qui boivent la bière dans les bars là vont discuter. Bah, ça ne me concerne pas. Il y a une forme quand on est. Raoul, on juge l'arbre par ses fruits. On a besoin du résultat au Cameroun. Attends. Mets pas les résultats des Tamil et Toti. Ici, là. Vous dites que tu veux le pas. Ici, là. Non. Ici, là. Mm-hmm. Pour moi, attends quoi. Ce que tu travailles là. Et ce que tu montres là, moi, je vois c'est que ce qu'on fait là, ça veut dire que demain, pour moi, quand Atanga dit ce qu'il fait au Cameroun là, fait le communiqué là, ça veut dire qu'on est en train d'accepter que la forme là, ça veut dire ça, oh. Attention, pour moi là. Non, tu comprends pas, Atanga dit est politicien, la fédération est apolitique. Non, Nestor, la politique, le football c'est la politique, ne faisons pas dans ce jeu là. La politique. C'est un autre débat. Mais à ce niveau-là, pour moi, si la forme là n'est pas respectée, on donne l'autorisation à nos dirigeants de nous maltraiter et de nous dire n'importe quoi dans n'importe quel format. Nestor. Non, mais nous sommes pas. Nestor, toi et si moi, on parle de politique souvent. Est-ce que quand notre champion s'adresse aux gens, il n'a pas la forme, il n'a pas le décorum? Est-ce que quand il parle aux gens, c'est pas dans une. Il n'y a pas un décorum? Il n'a pas une forme. On sent que voici quelqu'un qui sait où il s'en va. Ah bah. Mettons la forme de ce qu'on fait. Mettons le décorum. Ok, il est parti avec eux. Pas. Je t'ai appelé une réunion. Demande d'explication. Tu as 48 ou bien 24 heures pour me répondre. Tu ne réponds pas cela. Allez, on te met de côté. Fine, c'est tout. Dis que, sors de chez moi, sors d'ici là. Va de... Non, quand même. Tu es quand même le boss. On sait que tu es le boss. Tu n'as pas besoin de rappeler que tu es le boss. On sait que tu es le boss. Mais et nous, en train de quand tu fais. Bon, je pense que tu vas gérer ça avec lui entre vous là-bas. Moi, je pense que les gens ont des caractères que tu vas seulement t'adapter avec eux. Tu ne peux pas changer. Et ça, on a noté ça là-haut. Tu as dit ça plusieurs fois. Et en plus, quand on veut choisir un leader, quelquefois, un gestionnaire, quelquefois même, le caractère joue beaucoup. Et Nestor peut être avec moi. Oui, non, ça joue. Tu peux être bon. Dans tout, mais on dit que ton caractère là, pour mener les hommes, c'est pas bon. On prend quelqu'un qui est. Monsieur Nana, moi, je regarde les gens par leurs résultats, ce qu'ils produisent. On a besoin de résultats. On n'a pas besoin. Tu ne peux pas voir un homme parfait. Je veux ce qu'il produit. Le caractère aide à produire des résultats. Le caractère là, j'ai beaucoup de gestionnaire. Ça aide à produire des résultats. Oui. Monsieur Samuel Eto'o est dans son droit le plus absolu. Ce qu'il fait là est dans le droit. Il suit la loi et les textes de la FIFA. Certes, la connexion entre lui et le ministère des Sports, ça ne passe pas. Peut-être qu'il y a une grosse connexion avec la présidente, je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a raison. Si on amène l'affaire là au tribunal, Eto'o fils a raison. Oui. Et ton fils a raison. Je suis d'accord. Oui, c'est tous les plans. Oui. Il a raison. Là, il n'est pas en jeu. Il est dans le jeu. Le ministre n'était pas en jeu. On n'a pas dit qu'il n'a pas raison. Mais la façon avec laquelle tu montres que tu as raison, là, c'est ça qui est le problème. Tu n'as pas dit que tu n'as pas raison. La façon avec laquelle tu montres que tu as raison, c'est ça qui est le problème. Il a invité le monsieur là aujourd'hui à Fikafou pour un travail. Dans le but de préparer les échéances à venir. C'est ça. Et ça n'a pas marché. Il a dit que c'est moi qui t'a nommé. Ce n'est pas le monsieur là qui t'a nommé. C'est moi qui t'a nommé. Malgré tous les travail. Malgré tous les défauts qu'on peut reprocher à notre pays là, en termes de justice et autres. Oui, je suis d'accord. Mais quelqu'un pose un acte administratif qui n'est pas normal. Va au tribunal administratif, bien. Tu as posé tes actes, voilà ce que la loi dit, tu as fait ça, c'est quoi? Va au tribunal te plaindre. Même comment on sait que c'est une justice bizarre là. Plaigne-toi quand même. C'est la forme. Le reste là, qu'il est bien travaillé, qui paie les joueurs, qui fait tout cela, c'est ce qu'il est supposé faire. Donc ça me surprend, ce n'est pas ce qu'il est supposé faire, Raoul. Il y a eu plus de 20 ans, on n'a pas fait ça. C'est ce qu'il est supposé faire. Donc là, il ne fait que son travail.
Raoul, tu es là, tu es au boulot ou bien tu es à la maison? Je suis au boulot. Je suis au boulot. Ah, ok. Mais il y a eu les IA Mohamed. Avant le IA, tous ces ministres-là, ils mangeaient. C'était la mangeur là-bas. Tu joues au football, tu ne ressembles à rien. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. On sait que tu es voleur. On sait. Je ne dis pas non. Il travaille bien. Donc, parce que tu travailles bien, toi, tu te comportes comme un élevé. Je vais partager trois citations sur le leadership avec nous ici. Et vous allez me donner vos points de vue. J'ai dit trois citations. J'ai sélectionné trois. Il y a un qui est de Ralph Nader. Nestor, comme tu connais Ralph Nader, non? Non, non. Tu connais Ralph Nader, Raoul? Oui. Tu peux lui expliquer qui est Ralph Nader? C'est quelqu'un qui a fait dans les... Putain. Tu dis? Dans le développement personnel. Un peu, mais c'est un politicien. Oui. Américain. Qui a été candidat au présidentiel. Je crois qu'il était indépendant. J'ai aussi un autre, Simon Sinek. Si vous avez lu des livres de leadership, Simon Sinek aussi a écrit. Et j'ai John Maxwell. Ah, lui, tout le monde le connaît. Moi, je le connais, je le suis même. D'accord, tout le monde connaît John Maxwell. OK, commençons par le premier que personne ne connaît. Il dit « The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. » Je relis. « The function of leadership is to produce more leaders, not more followers. » Analyse-moi ça. Traduis-nous ça. Pour la personne qui a entendu, qui a compris. Je vais t'analyser ça par rapport à ce que j'ai suivi quand je venais au boulot ce soir. On parlait d'une émission sportive ici, on parlait de la NBA. Et l'ancien commissaire de la NBA qui a fait presque 30 ans comme commissaire de la NBA. Et puis quand il partait, il y a cela environ 10-15 ans, c'est celui qui est là maintenant, là, Adam Silver qui a remplacé. Et le monsieur disait que pendant 30 ans, Adam Silver maintenant là, était l'adjoint de ce monsieur-là. Et il a groomé le monsieur au point où aujourd'hui la NBA a des revenus de 12 milliards de dollars. Voilà un leader qui a produit quelqu'un qui est venu faire même mieux que lui. C'est dans ce temps-là que je pense ce que je dis. Très bien. Pendant 30 ans, il était derrière son patron qui a fait de lui quelqu'un qui est venu dépasser ce qu'il a fait. Excellent. Dans le but du leadership, c'est de se dédoubler dans les gens. C'est de ne pas créer de followers, mais créer une autre toi dans les gens, te multiplier dans les gens. Oui. C'est ce que ça veut dire. Leader. Parce que quand tu te dédoubles dans les gens, ça devient un peu trop intellectuel. Il faut expliquer que les gens comprennent que le rôle du leader, c'est de fabriquer d'autres leaders. Au Cameroun, nous n'avons pas de leader. Paul, il y en a pas. On n'en a pas. Excuse-moi, ça me parle comme ça. Vous attendez à ce que Samuel Eto'o soit leader, alors qu'il n'y a pas d'exemple de leader. Il n'en a pas. Chez nous, on fabrique des followers. Ça veut encore dire que, comme je dis là, quand tu es allé, comme j'ai une citation que j'ai appris chez les anglophones au Nigeria, quand tu gardes ton fagot de bois avec les fourmis chez toi là, il y aura les lézards qui vont rentrer. Comme bien là, même dans sa maison là, il y a les fourmis, tout n'importe quel, la pungamé va venir. Elle nous fait n'importe quoi. Oui, c'est ça le problème. Oui, tu as raison. Continue, mon frère. C'est ça. Je vous donne la deuxième citation. C'est bien, parce qu'il faut que les gens comprennent que le rôle du leader, c'est de fabriquer les autres leaders, pas fabriquer les followers. Parce que chez nous, c'est toujours la tendance à écraser, marcher sur les gens. C'est pas ça un leader. Bon, ça c'est Ralph Nader. Maintenant, Simon Sinek dit ceci. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those you taking care of those in your charge. Je reprends. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Le leadership. Je vois beaucoup plus le leadership de service. C'est ce service. Voilà, c'est ça. C'est le service. Non, laissez-moi traduire. You hit the nail. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il dit le leadership n'est pas
être patron, être au-dessus. Leadership, c'est prendre soin de ceux qui sont sous ta responsabilité. Et c'est pour cela que Neston Kwame dit que le leadership, c'est le service. C'est un leadership où tu sers tes subordonnés. Par conséquent, selon moi, tu n'as pas besoin de rappeler aux gens que tu es le chef. On sait que tu es le chef. Oui. Fais ton travail de chef. Oui, je sais que M. Samuel, tu dois travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est On sait que tu es le chef. Attends là sur ce point. Oui, on sait que tu es le chef. Fais ton travail de chef. Ne me rappelle pas, on sait. Je sais que tu as son macabre. Non. C'est pas le macabre. Non. C'est pas le macabre. Non. J'apporte un exemple par rapport à ce que tu as dit. J'apporte un exemple. Oui, non, tu as raison, c'est très bien tombé. Bon, la dernière citation, c'est celle de Maxwell, John Maxwell. Yeah. Il dit, a leader is one who knows the ways. A leader is one who knows the way, goes the way, and show the way. Il faut que je reprenne ça pour que les gens ne soient pas un peu perdus. A leader is one who knows the way. Il connaît la voie. Goes the way. Il va dans la voie. And show the way. Il montre le chemin. Exactement. Il connaît le chemin. Il suit le chemin. Il montre le chemin. C'est ça. Il ne cache rien. Et ça, c'est le prototype de Mandela, Nelson Mandela. Il connaissait le chemin. Il a eu le chemin. Il a fait un an, il a step par là dans le chemin, il est parti. Voilà, il a monté, exactement. Le monsieur de ministre là, si c'est quelqu'un qui connaissait le chemin, qui connaît la loi, il sait que tu ne peux pas aller à une réunion publique où tu n'es pas invité. Il sait. Mais il va quand même. Donc, il connaît le chemin, mais il ne suit pas. Donc, lui, il n'est pas un leader. Tu connais que tu ne peux pas aller à cette réunion où tu n'es pas invité. Mais tu pars quand même. C'est qui est logique. Donc, tu connais le chemin, mais tu ne le suis pas. C'est ça. Exactement. Tu sais, M. Nana, on a un sérieux problème dans notre pays. Problème de leadership. C'est clair. Le leadership. Quand tu vis dans les pays comme les États-Unis, comme ça, tu vois comment les gens voient le leadership. On vient, tu vois chaque année, tu travailles avec les gens de différentes nationalités. Et tu vis ensemble, c'est le leadership, c'est les lois. Quand tu rentres au Cameroun, tu vois le désordre. Notre problème, c'est le désordre. Le ministère des Sports, le désordre. Il n'y a pas de leadership. On est mal parti. C'est ça qui nous manque. On a tout, mais on n'a pas. On n'est pas des leaders. On ne forme pas de leaders. Oui, non, je vais te prendre un exemple. Au Nigeria, quand j'entends à l'université, on m'a demandé, on cherchait un nouveau vice-chancelier. Pas de traduction, tout ce qu'ils font. On ouvre la candidature à l'externe, à quelqu'un qui n'est même pas de l'université. Parce qu'on veut que quelqu'un, un leader apporte un nouveau souffle, une nouvelle vision, un nouveau. C'est-à-dire que, au lieu de venir dans nous, on est ensemble ici là depuis entre nous. Peut-être qu'on n'a pas la bonne. On fait venir quelqu'un de l'extérieur. Qui aura un nouveau chemin, nous montrer un nouveau chemin et comment le suivre. C'est pas un leader souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est même pas quelqu'un qui vient d'à des milliers de kilomètres avec une idée différente pour venir insuffler quelque chose de nouveau dans le système. Mais chez nous, là, on est là comme ça, là, on est entre nous, on tourne depuis les mêmes personnes, depuis 60 ans, les mêmes personnes sont là et on veut que ça avance. Est-ce qu'il est même d'abord là? Tout ce qui se passe est écrit au courant. Sans vérité, est-ce qu'il est d'abord là? Oh mon Dieu, il est venu. Les gars, dites-moi un peu, quelle est votre lecture de nos amis combattants dans cette histoire? Parce qu'il y en a qui sont vraiment en train de tirer plutôt sur le pititi. Mais je pense qu'il n'est pas neutre. Il a ses parts de faiblesse, mais c'est notre pays d'abord. Ce que les Blancs font de nous ici dans les pays étrangers, là, il ne faut pas qu'ils fassent ça, chez nous, là-bas aussi au Cameroun. Moi, je prends au parti de M. Etofis, mais il n'est pas ça. Il a sa part de défaut. Il doit apprendre à parler aux gens d'une manière respectueuse. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens doivent être rancuniers, mon frère Neston Kwame? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je lui donne raison, mais je pense qu'il n'est pas 100%
raison. Est-ce que c'est même c'est une situation un peu compliquée à avoir. Quand notre boss dit, on le perd lui-même. Vous faites comprendre que vous faites une réunion à la maison. Il n'est pas plutôt donner le rapport à la maison là, sur le plan. Tu veux que les gens aiment même. Vous avez dit que c'est une situation compliquée. C'est compliqué. Donc, les combattants, là, moi, je dis, ben, peut-être chacun a sa sensibilité. Moi, on peut mettre un peu. On a besoin d'un sang nouveau au pays. On a besoin d'un sang nouveau. Parce que. Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça doit. Si on veut évoluer, il faut un sang nouveau. Attends un peu, on va faire quoi, Mister? On fait le reproche à Eto de supporter Biya, non? Mais en même temps, on reconnaît que Biya n'a pas gagné l'élection en 2018, non? Oui. Donc, ça veut dire que le support qu'il avait mis là n'a aucune influence sur le Camerounais. Exactement. Hein? Donc, on ne peut pas lui tirer, on ne peut pas lui tenir rigueur pour une affaire où on sait que ça n'a eu aucune influence sur le Camerounais. Sauf si je me trompe. Hein. Tu dis quoi? Qui a quoi? En 2018, on lui fait le reproche d'avoir soutenu Biya, non? Mais pour les combattants là, ils savent que Biya n'a pas gagné, non? Donc, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir soutenu quelqu'un qui a perdu économiquement. Quel point? Moi, je pense que c'est, la politique, c'est ça, non? Il a supporté un camp qui a perdu. Vous avez, d'après les combattants, qui ont supporté Biya, et Biya a perdu, il a volé l'élection. Donc, il a supporté quelqu'un qui a volé. Donc, il n'est même pas populaire que ça, là. Donc, sa voix, même qu'il a portée pour Biya, n'a même pas eu une influence. Exactement. Donc, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, puisqu'il n'est pas aussi puissant que ça. Attendez, les gars. Dieudonné, T-Honor, j'ai épinglé le lien sur Facebook. Parce qu'il a demandé le lien. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Je viens d'épingler le lien sur YouTube. On ne doit pas lui tenir rigueur. En plus, on est en politique, chacun a ses choix, hein. Même si ce n'est pas le bon choix d'après toi. Il est libre de supporter qui il veut. Son choix, selon moi. Ouais, je pense que je vois Samuel Eto'o. On ne peut pas lui tenir rigueur pour ses choix, non. Il est libre. Raoul, moi, je vois Samuel Eto'o sur les résultats qu'il produit, pas sur ses convictions politiques. Moi, je regarde les résultats. Si M. Biya produit des résultats, je peux le soutenir, mais je n'ai jamais vu des résultats. Très bien. Tu vois, moi, il faut connaître que l'arbre passe ses fruits. Si les fruits là sont sucrés, va avec lui. Si c'est amer, tu jettes. C'est tout. Et encore, il n'est pas parfait. Moi, je pense que tu en demandes trop à ce gars-là. Il est un homme, il a ses faiblesses, il a ses forces. Je me concentre sur ses forces. Ce qu'il a apporté à Africa Food depuis 20 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que tu es dans quel état? Nestor, tu es dans quel état? Arizona. Oh, tu es loin, hein? Au-dessus de là. Dans le soleil. Ouais, je suis à l'Arizona. Les Texans, là. Ça chauffe. Quelle est la température là-bas aujourd'hui? Là, maintenant, c'est bien. Attends, la température, je te dis un peu. Attends. OK. Le weather today. On a 31 degrés Celsius. C'est même bien. Ça a baissé. Oh, OK. Ça s'arrive, ce n'est plus trop chaud comme avant. Il y a aussi le changement climatique ici. Quand je suis arrivé ici en 2019, c'était l'enfer. Ça brûlait seulement. Vraiment. Mais là, c'est en train de se temporiser, ça change un peu. D'accord. Bon, je vais t'envoyer un peu de froid de Montréal. Raoul est au Canada. Ah. Ouais. Bah, le Canada, c'est le froid à outrance. Ouais, à Montréal, là, hey, mon frère. Je ne sais pas si tu peux vivre là-bas. Je vois les gens qui se bagarrent le matin pour le boulot. Tu dois casser la neige sur ta voiture. Tu dois. Aïe. Quand je vais là-bas, je mets les blanquettes dans la malle arrière de ma voiture, sans compter les côtes, parce que si jamais, on ne sait jamais, tu peux te retrouver là, coincé dans la neige, et il faut que tu n'entres. Ouais. Tu ouvres. Combien de fois vous avez dit qu'il y a encore mort parce qu'ils sont coincés dans la neige en route? Ah, vous aussi. Ah oui, non, c'est... Non, les gars, franchement... Donc, Nestor, mais nos combattants, là, j'ai dit que, bon, peut-être chacun, peut-être qu'il y en a qui le font le reproche d'avoir supporté Biya. Bon, voilà, ça, c'est pas son problème. Il est libre de supporter qui veut, pas ton problème. Et en plus, il a supporté quelqu'un qui a perdu. Donc, on n'a pas leur tenir rigueur. Peut-être qu'il y en a qui le font parce qu'ils sont fâchés, heureux, aimés qu'ils soient de leur camp. Peut-être, par amour pour lui, peut-être.
supporte, c'est parce qu'il aime beaucoup. Il aurait aimé que ce soit de leur camp. C'est possible. Mais en même temps, pourquoi ils ne font pas le même reproche à quelqu'un comme Bell, qui aussi supporte Biya? Est-ce que c'est parce que Bell est moins vocal, est moins clivant, peut-être? Peut-être aussi c'est sa nature naturelle. Pourquoi ils ne sont pas en même clivant aussi? Pourquoi ils ne sont pas aussi méchants avec Mila, qui est aussi quelqu'un qui supporte le régime, mais qui peut-être pas le moins, peut-être? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne sais pas, Raoul, je ne sais pas ce qu'il va parler. C'est plus une question. Un Camerounais normal qui est en train de soutenir Bialès pour encore 7 ans, je pense qu'il est malade mental. I don't get it. Quand je vois les jeunes de mon âge en train de dire que Biaro est encore pour 7 ans, un papa qui a 91 ans, I don't get it. Ça me dépasse. Il y a des démocrates là qui vont demander comment tu peux voter. C'est les opportunités, c'est les contrats. Ils ont des contrats avec le gouvernement, ils ont des entrées, ils veulent protéger la route financière, le chemin financier qu'ils ont. Mais en même temps, il y a des gens qui vont demander comment les gens supportent Trump, comment ils supportent Biden. Donc, nous avons des gens ici aux États-Unis. Non, ces gens-là sont encore valides et habiles. Mais M. Biya est fatigué. Il est venu ici à la conférence US-Afrique, il a pété tout, il n'est plus là. Nous avons des gens ici qui font semblant d'être dans l'opposition, alors qu'ils servent les intérêts du RDPC dans l'opposition, et ils chargent des conteneurs, ils amènent au Cameroun sans dédouaner, ils vendent, ils mettent l'argent dans la poche. Et les autres sont là, en train d'être extrêmement rigoureux, ils ne peuvent même pas voyager. Donc, aux approches des élections présidentielles au Cameroun, il y aura beaucoup de dénonciations. Hein? Parce que nous ne pouvons pas être en train de servir honnêtement et d'autres marchent sur notre dos et ils bouffent. Et nous, on ne peut pas bouger et eux, ils s'enrichissent. Oh, je vois, ce sont les intérêts personnels. Chacun voilà, sécurise leur poche, leur ventre, voilà, leur pas vendre et tout. C'est ce que je dis. C'est des gens qui se pour laquelle ils sont derrière. Nous, on les connaît. Dieu a créé, on n'est pas éternel. Le peuple doit se reposer. Depuis 80, c'est même pas 82, depuis 1957. Je te dis que même son cadavre va diriger. Non, je te dis que même son cadavre va diriger le Cameroun. Waouh! Même son cadavre. Écoute, Albert Zoc a dit que si Paul Biya se présente, ils vont perdre aux élections. Est-ce qu'il a demandé aux Camerounais qu'il avait voté avant de faire cette déclaration? À la sortie de la France, il allait dans son village, à Bamouan, dit que la seule personne qui craint pour ces élections, c'est le président Biya. Que s'il se présente, eux, ils vont perdre. Oh, c'est les Camerounais qui votent. Oui, parce qu'on ne se pue pas sur ceux qui ont voté. On sait qu'on connaît le jeu de derrière. Voilà. Et monsieur, comme toi, a commencé à poser du doigt sur ces histoires-là. Oui, il pointe le doigt sur cette histoire, mais nous connaissons tous Atangadi. Atangadi est sauvage. Quand il va venir les observateurs de Transparency International, qui sont des gens qui l'ont ramassé dans les rues ici, on ne va rien y faire. Mais Nestor, à part ça même, c'est pas seulement ici en Occident que les gens bousculent pour leur profit, pour leur poche, même au Cameroun. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue à Bafoussam. C'était dans les années 90, je pense bien. J'étais du Nigeria, je vais à la préfecture légaliser cette étude. La dame qui m'a reçu était une anglophone. Quand elle a su que j'étais au Nigeria, on se met à parler en anglais. Et puis elle m'a dit que, ah, mon fils est venu ici, là, à la mairie, à la préfecture. Je ne viens pas les mercredis, et les mardis et les jeudis. Il dit pourquoi? Elle me dit que non. Elle est dans l'équipe du Congo à l'époque. Et les mardis et les jeudis, là, elle est en route pour collecter les péages. Et elle m'a dit que les péages du mardi et du jeudi là appartiennent au gouverneur. Appartient à qui? J'ai pas suivi. Au gouverneur. Ah ouais. Tu penses que le gouverneur a besoin que bien lui dise que fraude de nation dans la province? Quand un gars par semaine a peut-être 100 millions qui tombent dans sa poche personnelle, tu crois que les renseignements généraux ne sont pas au courant? Ils savent. Alors, non, le changement, c'est de demander aux gars de truquer pour lui. Les gars vont truquer parce qu'ils veulent leur combo.
Je pense que si le changement arrive au pays, celui qui va succéder à Biya, il aura du fil à retordre. Soit il part peut-être en Russie se connecter pour prendre le renfort, parce que ça sera difficile pour lui de s'exprimer. Oui. Parce que ça fait plus de 40 ans de médiocrité. Oui. Et ça sera difficile de couper le gros baobab là. Oui, 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 oui. Les mentalités sont déjà tarées. Oui. Il y a une façon de voir. Pour que ça change, c'est un processus, c'est une génération. Tu vois, 40 ans, monsieur Nana, c'est une génération. Et les gens sont... On a transformé les gens en la photocopie. Tu vois un peu. Il n'y a pas d'authenticité. Ça fait donc que les gens sont comme dans le papier. Et puis, les politiciens mentent. Ils mentent tous. Personne ne veut montrer la vérité. Personne ne veut montrer les chiffres. Regardez les politiciens. Ils sont en train de demander à l'ECAM. Les chiffres de l'ECAM. Et l'ECAM ne donne pas. Si l'ECAM ne donne pas, va dans tes cahiers. Dis que voilà, j'ai tel nombre d'inscrits dans Carté. Et de ce nombre d'encarté, j'ai tel nombre qui ont les reçus de l'ECAM. Donne ces chiffres-là en moins de manière continue. Ça va aider avec le conditionnement mental. Et comme ça, si jamais l'ECAM sont avec un mensonge, on l'attrape. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a une transparence qu'au Cameroun, on ne veut pas. Let's go. C'est comme si les politiciens sont tombés d'accord que non. À un niveau ici, il faut que nous rendions tout flou. Mais oui, c'est ce qu'ils font. Ils rendent flou. Et ils ne font que dire, on est inscrit tel aujourd'hui. Il est quand même à tel endroit. Mais donnez-nous les chiffres. Où est-ce que nous en sommes en termes d'inscription par parti politique? Organisez-vous et parlez au moins de ça. Si il est comme le coup de publier, hein? Il faut oublier, M. Nana. Si tu vois le Cameroun comme ça, ça c'est le Cameroun dans les rêves. Je pense que M. Maurice Kamto a dit quelque chose qui m'a intéressé récemment. Il devait parler comme ça depuis le début. Qu'il faut se tenir, il faut danser la danse. Oui. Il faut danser la danse. Tu viens avec, oh, ça va aller. Oh, quoi aux yeux. Je crois pas. Ça n'a pas marché depuis 20 ans. Personnellement, je ne crois pas que les Camerounais sont prêts à danser dans cela. Je ne crois pas. Non. Mais attends, attends, M. Raoult. Raoult a raison. On veut le changement, on ne veut pas le changement. On n'est pas prêt à danser la danse là. Mon frère, Nest. Quoi? On n'est pas prêt, mon frère. Je veux que tu sois honnête, tu comprends. Nous, on n'est pas prêt. Ne mentons pas à nous-mêmes. J'ai l'impression que... l'opposition ne nous montre pas le changement qu'il veut apporter. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas. Ce n'est pas avec les urnes qu'on va chasser Biya. Oubliez ça. Voilà. Les urnes lui appartiennent. Voilà. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Oubliez ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en toute chose dans cette vie, il faut une préparation psychologique. Il faut un conditionnement mental. La victoire, c'est d'abord dans la tête avant d'aller en action. Et pour cimenter la victoire de la tête, il faut apporter à la tête tout ce que tu as en termes d'optimisme, de positivité et de valeur. Parce que ce sont ces valeurs-là qui sont la boussole que tu vas utiliser pour atteindre l'objectif que tu veux. L'objectif que nous avons en tant que pays, c'est le changement à la tête du pays. Nous n'avons pas les mêmes valeurs en tant que Camerounais. Beaucoup sont des menteurs, des manipulateurs, des hypocrites. Très peu sont honnêtes, authentiques, intègres, qui ont de l'amour pour eux, qui sont inclusifs, c'est des gros tribalistes. Très peu ont l'esprit d'équipe. Et donc, ça nous met en difficulté. Yeah, c'est ça la vérité du terrain. Il ne faut pas ignorer ça. Voilà. Il ne faut pas ignorer ça. Mais c'est comme toi, essayer dans l'objecté, les unes. Il a constaté que ça ne donne pas. Il a essayé dans le système. Mais Nestor, comment veux-tu que les gens travaillent en équipe? Quand? Sauf si ça a changé dans l'université au Cameroun. Quand tu quittes, tu fais ton parcours scolaire au Cameroun sans jamais avoir fait un devoir de groupe avec des autres personnes pour que vous appreniez à travailler ensemble. Comment tu veux que les Camerounais travaillent ensemble? Ça n'a pas changé. J'ai fait la licence à Ngouakley. Ça n'a pas changé. C'est l'unanimité.
Est-ce que si tu peux faire un programme où il n'a pas un travail, un devoir de groupe? Voilà. Il n'y a pas. Peut-être en thèse, en maîtrise, ça commence à faire. On vous a parlé deux pour un projet que les Français. Même au primaire, mes enfants, les enfants, disent que papa, j'ai fait les affaires de groupe. Pardon, je vais aller voir tes camarades, on va s'asseoir pour faire le travail de groupe qu'on a donné. Depuis le primaire, on a fait ça à travers un groupe. Ça n'existe pas. C'est le colon qui a fait ça, non? Comment alors tu veux qu'on soit en groupe? Comment ça? Ça ne tombe pas du ciel. Moi, je pense que... C'est ça le problème. Ce sont les manquements qu'on doit apporter, nous, de la diaspora. Là, il faut apporter ces manquements-là. Je pense que... En tant qu'équipe, ici, aux États-Unis, ce sont les équipes. C'est les équipes. C'est les équipes. Ce n'est pas l'individualité. Non. Ce sont les équipes. C'est les équipes. Toutes les équipes. C'est ça que nous sommes en arrière, parce qu'il y a l'individualité, on est limité, on n'a pas d'argent, les projets viennent... Quel est le projet qu'on fait dans nos écoles d'université? Quel est le projet? On n'a pas de projet. On copie la théorie de la France, on dit qu'on maîtrise les maths, mais la théorie, ça finit par la théorie. On a un problème d'hydrolyse d'eau, on voit le pourri, l'eau qui n'est pas transformée, mais on connaît la chimie. Les NA+, on connaît toutes les théories, là, les nombres, mais on ne peut pas pratiquer parce qu'on est aliéné par un projet colonial satanique de la France. Il faut dire la vérité. Et des gens sont professeurs agrégés. Ils ont des 4 doctorats et... Ils sont nuls sur le terrain. Et ils passent leur temps à enseigner les résumés des livres. Exactement, on ne produit rien, il n'y a pas de résultats. Quelle honte enseigner les résumés des livres, même pas les livres qu'il a écrits. Hein. Ce n'est pas grave, les gens difficiles ne vont pas venir les mettre à côté. Chacun parle de tout ce qu'il a dans son cerveau, dans son téléphone. Et même plus que lui-même. Ils vont tous devenir désuets dans bientôt. Ils vont servir. Ces choses doivent changer. Ça doit changer. Le système éducatif camerounais est nul. Excusez-moi, je suis passé par là. J'ai vécu aux États-Unis depuis 11 ans. Je sais que c'est un système qui mène les gens à Mokolo pour aller vendre les arachides et l'eau glacée. Parce qu'à la fin, on ne produit rien. Tu dépenses 50 000, tu payes, à la fin, tu as un papier qui va te servir d'emballage aux arachides parce que tu ne vas pas travailler. Et il faut que ça change. Tu aurais pu ne pas travailler ton papier, mais on aurait pu à l'école t'apprendre à travailler toi-même de tes mains. On aurait pu t'apprendre à te prendre en charge. On aurait pu. Donc, je pense qu'on doit refaire le pays, comme un dit, tout à refaire. Il faut refaire. Ça commence par le caractère. Donc, je ne suis pas sûr, comme je disais, je ne suis pas sûr qu'en 2025, les Camerounais peuvent sortir et dire que j'ai voté pour X, je le défends. Je ne suis pas sûr. Voilà le 20 mai, là, on a demandé de ne pas défiler. Non. Qui a protesté? Ce qui est certain, c'est que. Non, on ne peut pas. Le 20 mai, moi, j'étais. Oui, malgré les dates et tout cela. Voilà, par exemple. Il est vrai que comparaison n'est pas raison. Au Sénégal, ça a pris combien de temps et combien de préparation mentale au PASTEF pour chauffer les Sénégalais au point où ils sont arrivés là. Est-ce que les Sénégalais n'étaient pas chauffés à blanc par le PASTEF? Au Cameroun, là, quel parti chauffe le Cameroun à blanc? Au point où il dit que hey, les gars sortent, il n'y a personne. Mais je crois que le réveil qui a vu le jour au Sénégal, au Mali, en Guinée, la Douaf, ça va aussi nous contaminer quand même. Non, zéro. Faites attention, Sénégal. Faites attention. On n'a pas les capacités là, pardon. Faites attention. Regarde le petit qui l'Afrique Côte d'Ivoire ici qui se lève, qui dit non. Mais au Cameroun, personne ne se lève. Ne jubilons pas encore. Oui. Cas du Sénégal. Attends, pourquoi on parle d'avant. Pas de maintenant. Maintenant, là, ils nous montrent des signes un peu bizarres, d'accord. Mais avant, là, ils ont chauffé le peuple à blanc. Alors, Dieudonné. Oui, chef. Comment tu vas? Là, ça va. Je suis là depuis. Ça fait longtemps. Il y a certains. Oui. Ici, il y a certains. Je suis au Maryland. Ah, je sais. Là, il y a des propos là que vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On a encore dit quoi? On a dit quoi qui t'énerve, pardon? Excusez-nous. Sorry. Vas-y. Non, parce que. Lorsque vous parlez de l'affaire des taux, là, moi, franchement, je ne sais pas. J'ai quelque chose là que je comprends depuis. Excusez-moi, je veux aussi que vous m'informiez. Mm-hmm. Prenons un peu l'exemple du coup d'État qui s'est passé sur un pays de l'Ouest, comme le Mali, par exemple, où lorsqu'il y a un coup d'État, il y a généralement ce qu'on appelle
on appelle ça généralement, parfois des assises de réconciliation. La fête de réconciliation et autres, là, oui. Les assises nationales. Voilà. Les assises nationales, voilà, ça c'est le mot. L'assise nationale, c'est lorsque lorsque le gouvernement est à terre. Bon, lorsqu'on fait cela, et après ça, on fait le consensus, après le consensus, les élections pour nommer un président. Est-ce que ce président-là doit revenir sur les assises? Est-ce qu'il doit prendre encore compte les assises pour gérer son gouvernement? Je pense que c'est là, ces assises-là le permet de traverser cet état de coup d'état, disons comme ça, c'est pour faire évoluer le pays. En principe, oui. En principe, c'est ça. Donc, le comité de normalisation est un peu constant à la faute. Donc, le Sami Eto'o, étant président élu, il n'a plus besoin d'aller sur les assises-là, puisque c'est lorsqu'il y avait que les comités de normalisation, que cette assise-là, et on a créé cet accès-là pour lier le président avec le comité de normalisation. Donc, ça veut dire que Eto'o, étant élu, n'a plus rien à y voir avec cela. Oui, attends. Tu veux parler par rapport à la réunion de demain, c'est ça? Non, par rapport à Fekafoudi en général, je pense. Non. Parce que ça ne peut pas être en général. Si j'ai bien compris du donné, comme il parle, oui. Le problème de la Fekafoudi, c'est que quand il y a eu la normalisation, là, oui. Ils ont commis la bêtise de lier la Fekafoudi au gouvernement par des textes de convention. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la tête du professeur Ouna. Est-ce qu'il voulait, comme il venait de l'administration, est-ce qu'il voulait maintenir un lien entre la Fekafoudi et l'administration? Peut-être, je ne sais pas. Non, attends, mon frère, non, j'ai bien suivi ça. C'est parce que Grégoire Ouna, non, attends, je vais t'expliquer. Grégoire Ouna avait fait ça parce qu'étant comme le président de la normalisation, il n'avait pas le plein pouvoir de nommer un entraîneur. Il a fallu qu'il puisse nommer un entraîneur avec le président, avec le gouvernement. C'est pour cela qu'il a créé cet article-là. Ce qui était, à mon avis, selon les tests de la peut-être à l'époque, c'était bien, mais à mon avis, on voit que ce n'était pas une bonne décision qu'il a prise. C'était un lien. Non, c'était bien parce qu'il fallait respecter le test. De respecter le test de la Fekafoudi, il faut être un président élu pour nommer ou bien pour nommer les entraîneurs et les dirigeants. Comment on appelle les oui, mais pourquoi là, il a maintenant vu que. Pourquoi là, maintenant, il a mis la ligne où le ministre doit trouver ton choix? Non, c'est parce que les gens ont fouillé très loin. Normalement, on ne devait plus faire foi à cela. C'est comme les assises lorsqu'il y a un coup d'État. Ok, tu estimes que ces accords-là devaient tomber, étaient caduques, et puis on devait revenir à la normale. Non, c'était caduque, parce que c'est au moins, on n'était pas nommé. Mais venu comme un président élu. Donc, c'était caduque. Si je n'ai pas ton point de vue, je suis d'accord, mais on oublie pas qu'on est dans un système où les gens sont de mauvaise foi. Les gens ont des intérêts divers. Ils ne font pas le travail qu'ils sont supposés faire. Là, je suis d'accord avec toi, sur ce plan-là. Bon, là, donc, je suis d'accord. Les gens ont des intérêts divers. Oui. Et ont des plans et ont des. Dans leur tête. Et en plus, ce sont dans tes. Bon, bref, ils ne sont pas intéressés dans leur travail. Voilà, je suis d'accord avec toi. Donc, normalement, cet article. Mais le problème, c'est que lui-même encore, je ne sais pas s'il y a des conseillers techniques ou juridiques, lui-même encore a encore allé faire allusion à ces accords-là pour justifier son choix. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose là qui ne tourne pas rond dans leurs affaires. Là. Ils sont comme. Bref, ils ne sont pas là pour l'intérêt du Cameroun. Et la fédération camerounaise dépend de la FIFA. Eto'o est là pour l'intérêt du football. Ça, là, on ne peut pas le compte. Il aime son sport, il veut que ça marche. Mais ceux-là, en général, dans qui gouverne le pays, là, je ne suis pas sûr qu'ils ont le même intérêt que lui. Quand ça parle du football, ils n'ont pas le même intérêt. Eto'o est dans son monde solo. Ils sont football là. Eux, là, ils sont dans leur monde à eux et leurs intérêts. Apparemment, les intérêts, ça ne s'aligne pas. Ils n'ont pas encore trouvé où ils vont s'entendre. Monsieur Eto'o a fermé les robinets à plusieurs de ces gars-là. Ils veulent la mort de Eto'o, tous ces politiciens que tu vois. Il faut dire la vérité. Tous ces gars-là veulent d'accueil. Quoi, j'ai bien dit qu'ils n'ont pas le même intérêt.
vrai. Mais ils sont là pour la vendre. Et ton fils est là pour le jeune Camerounais. C'est tout ce que tu avais? Non. Bonjour, mon frère Jérémy, quoi. Oui. Oui, non, en principe, moi, je me dis en principe, c'est là où il y a le problème. Ces gens-là ne veulent pas... Ils ne veulent pas du bien. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Parce qu'il y a une chose encore en plus, et nous le savons depuis. Là, ce que j'ai remarqué, parce que lorsqu'il y a bagarre entre deux personnes, il faut regarder le point focal, regarder les objectifs de tout un chacun. Selon moi, peut-être je peux me tromper, mais moi je me dis que Eto'o est là pour vraiment le football camerounais. Mais le ministre est là parce que vous savez que il y a un certain moment où on disait que l'équipe nationale des Camerounais, l'équipe Lyon Indomptable ne devait plus avoir les expatriés comme entraîneurs. Mais beaucoup de Camerounais oublient cela. Mais pourquoi est-ce que lui, il parle nommer un blanc, un expatrié comme entraîneur, et en plus, il y a un autre expatrié à l'intérieur, qu'on ne le dit pas, un Congolais à l'intérieur. Mais les Camerounais, je n'arrive pas à comprendre. Parfois, je me dis que mais il faut vraiment fréquenter dans quelle école pour comprendre les Camerounais. Je ne sais pas, on ne parle pas de ce Congolais-là. Et il y a un Congolais à l'intérieur. Non, ça, c'est réglé. Ce problème-là a été réglé. Non, c'est réglé. Oui, il est encore là. Non, il a réglé ça. Non, on a fait semblant. Attends, Jérémy. Je te dis qu'il a nommé une équipe d'intérimaires. Bon, attends, oui. Ne me coupe pas la parole. Je veux peut-être perdre les fils. Il y a ce Congolais-là. Tu vas peut-être me rectifier après. Ce blanc à l'aide, ce belge à l'aide. Pourtant, les Camerounais, on avait décidé une fois, on ne veut plus voir les expatriés dans notre équipe. Là, ça ne dérange personne. Les gens, ils voient certains gens supporter même les expatriés, alors que demain, ils étaient contre. Et de deux, pourquoi est-ce qu'on avait pris la décision? On a pris la décision, pourquoi? Parce que normalement, n'importe qui, nous sommes tous de la chair. Lorsqu'on dit qu'on paie la personne 12 millions de francs, c'est ce que j'ai compris, 12 millions de francs par mois. Franchement dit. Bonjour Florence. 12 millions, c'est moins. C'est deux fois plus que le salaire de ces ministres en temps normal. Mais est-ce que vous voyez un ministre donner le salaire de 30 ministres à une personne? Non, franchement dit, entre toi, vous et moi, est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais c'est parce que quoi? Ils ont les intérêts à l'intérieur. Ils ont leur quota à l'intérieur. Mais franchement, soyons vraiment directs. Si nous aimons le pays, il ne faudrait pas qu'on se sacrifie pour rien. Disons quand même la vérité. Voilà le nœud du problème. Le ministre meurt parce que quoi? Il a au moins ses 6 millions, 7 millions à l'intérieur. Et il a la vérité là-bas. N'allons pas très loin. Tout à l'heure, j'ai vu les informations que Eto'o a nommé Toumoupilé comme entraîneur par intérêt. Et tu vois, il prend la charge de le payer. Il peut négocier avec lui qui va le payer 1 million de francs. Et c'est même beaucoup. C'est plus que le salaire d'un ministre. Mais franchement, nous, on n'a pas d'électricité. On porte 12 millions. On donne à une personne. En deux mois, c'est un gros sac d'argent qu'on lui donne. Mais on est là, on se pond, alors que allons dans le véritable problème. Il y a les gars là, il y a les entraîneurs de leur pays, les Camerounais, qu'on peut leur donner 500 000 francs. Ils entraînent l'équipe nationale. L'entraîneur, c'est quoi? On s'en occupe de payer ses déplacements et ses frais de séjour, ainsi de suite. Et on le donne 500 000 francs. Moi, il s'est même plus fier. Mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, bon, si j'ai dit 500, peut-être, c'est pas langage abusé. On mettons à 1 million. Pourquoi est-ce qu'on vraiment, on est en train de se monter dans une histoire que vraiment, qui n'a pas donné. Les gars, nous allons revenir demain. Il est 1h35 de mon côté. Vous savez que je suis convalescent. Il faut que je ferme un œil. Hein? Ouais. Il faut que je vois. Quand ça t'échauffe la tête, tu dis qu'on va revenir demain. Depuis que tu ne viens pas, on ne te voit pas depuis. Non, mais. J'ai dit ça par hasard quand j'étais dans la voiture.
Je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas eu le temps d'aller prendre la douche. Mais il était menacé de sort. Depuis, à peine tu arrives, tu veux qu'on reste jusqu'au matin. Non. Non, mais franchement, ça fait mal, mon frère. Non, franchement, dit, nous sommes sortis du pays parce que franchement, ça n'allait pas. Mais un blanc, on ne sait pas ce qu'il faisait dans son pays. Il vient porter 12 millions de francs. Il dit 12 millions de francs. Mais franchement, dit. Bien naïf, la décolonisation des consciences. On est encore prisonnier dans nos têtes. On voit le blanc comme Dieu. Le blanc doit avoir plus que nous. Ce n'est pas possible. Le blanc est moins que nous. Et désolé, c'est ça, je pose la question au départ. Notre père même, n'est-ce pas, on a fait un dialogue national. Il a porté ses pieds. Il n'a pas parlé au Camerounais. Il est parti dire au blanc que je vais donner le rapport. Mon frère, on est dans la même mentalité. On est dans la même mentalité. Il n'est pas pour nous. On est dans la même mentalité. Mais pour nous, bien là, non, et en plus, le gars là, quand tu parlais qu'il veut manger l'argent. Donc, l'argent qu'il mange depuis là, c'est encore l'entraîneur qui est venu manger l'argent. Ils ne sont pas fatigués. Ils veulent savoir combien dans leur compte. Ils veulent combien de zéros. Tu penses qu'ils veulent 12 millions dans sa compte? Non, désolé. Ils veulent combien de zéros dans leur compte? Ils veulent combien? 10 milliards, 100 milliards, 1 trillion. Ils vont mourir avec ça. Les gens là qui ont les Moumoutou là, les Penali là, ils ont fait quoi de l'argent qu'ils ont volé? Ça allait où? Mais Abba Kara, qui avait le milliard, c'est parti. Quand même, selon sérieux. Qui doit dans deux lignes, là? Qui peut conduire deux voitures en même temps? C'est ça. Qui peut s'asseoir dans une voiture et prendre deux places en même temps pour avoir dans ton garage 20 voitures? Restons optimistes, restons positifs. Ouvrons les yeux parce qu'il y a eu la nomination de cette équipe d'intérimaires pour l'équipe nationale. Je suis très content avec ça. Et entendons, essayons de voir comment sera le lendemain. Mais ce qui est certain, c'est que Marc Brice doit rentrer en Belgique, qu'il a entré l'équipe nationale belge. Nous avons des Camerounais qualifiés pour faire ce travail-là. Un commentaire, j'ai vu passer dans les réseaux sociaux là, un communiqué du ministre qui convoquait sa part d'équipe. Je crois que c'était demain pour une réunion aussi pour parler le patron. J'ai vu ça, il y a ça qui circule. Oui, c'est de ça que je parle. Il a convoqué sa part d'équipe pour demain. Il dit que les gens sont passés. Les yeux ouverts. Il a convoqué Samuel Eto'o à ça aussi. Mon frère, pardon, excusez-moi un peu. Donnez-moi un pays où le ministre convoque les joueurs ou bien c'est quoi ça. Donnez-moi un pays où le ministre, le Cameroun. J'ai donné un pays, le Cameroun. Le Cameroun. Non, vraiment. Tu veux un pays, non? Le Cameroun. Le ministre n'a rien à faire avec la nomination. Là. Au passé, il faisait ça, il croyait qu'il faisait bien, mais il n'était pas dans les droits. Il n'était pas dans les droits. Ouais, ouais. Il dépend dans ses droits. Il pense à lui appartient. Ça appartient au président de l'Afrique à foot. C'est vrai qu'il y a le désordre au Cameroun. Ça a été comme ça. Il y a une chose qui m'a tellement surpris. Le conseiller du ministre des Sports, j'ai vu là, il disait que c'est le président qui a nommé l'entraîneur, mon frère, l'équipe. Et ça, c'est alors une idiotie. Un monsieur qui vient à Washington, il demande qu'il y a les gens importants dans la salle, dont il n'arrive même plus à voir. Il ne connaît plus les gens, mais il peut nourrir l'équipe. Mais je te dis, franchement, le pays est bizarre. Le pays est vraiment bizarre. On parle. Ça, c'est le monsieur qui avait dit que le contexte 5 étoiles de Olembella, c'est sous les gradins, non? Pourquoi c'est quand tu subris? Que l'hôtel de Olembella, c'est sous les gradins. C'est pour ça que nous, on ne voit pas. Donc, pourquoi tu subris? Bien, disons. Même dirigeants, là, ils ont détruit Kamekou. Ils ont détruit toutes les entreprises au Cameroun. Maintenant, le football qui respirait un peu, ils sont en l'intérieur. Pourtant, les règlements de la FECAFOOT demandent que le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans le football. De la FIFA. Dans le bureau de la FECAFOOT, dans les locaux de la FECAFOOT, il dit carrément que je suis venu sur l'ordre du ministre. Pourtant, c'est une interdiction de la FECAFOOT. C'est dans les listes où le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans le football, mais il vient s'ingérer à l'intérieur. Il accepte bien dire que c'est le président, c'est le ministre qui l'a envoyé. Malheureusement, dans la presse, là, hein, mes frères, la FECAFOOT elle-même, à un moment donné, a commis tellement de bévues dans ses affaires. Tu ne peux pas avoir ton employeur et c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Prends-toi-même, en fait. Non, s'il vous plaît, attendez. Papa. Je veux vous dire, ne parlons pas d'argent. L'argent, c'est pour les Camerounais. Oui,
le ministère, attendez, le ministère n'a pas d'argent. La FECAFOOT n'a pas d'argent. C'est l'argent des Camerounais qu'on utilise pour payer tout le monde. Donc, que les gens arrêtent avec cette histoire d'argent-là. Attends, attends, je vais te répondre là-bas. Lorsque les Lions les prime, on verse ça où? On verse dans l'Afrique. On verse dans le compte du gouvernement. C'est cet argent-là que le gouvernement nous rembourse pour le payer. Mais oui, donc, quand tu dis qu'on sait, il faudrait maintenant que l'Afrique-Afoot, on laisse le tourner à l'Afrique-Afoot. Mais c'est l'argent des Camerounais. Ça entre directement dans le compte de l'Afrique-Afoot. Nous disons pourquoi est-ce que le gouvernement, pourquoi le gouvernement prend cet argent dans son compte? C'est là le problème. Parce que le gouvernement veut expropier. C'est un culot. On ne s'est pas compris. Moi, nous disons la même chose. Ok. Je dis que c'est l'argent des Camerounais. Donc, il n'y a pas que l'argent de Sissi est monté, l'argent de Salah est descendu. Ok, attends, les gars. Restons, c'est là les Camerounais. Mais quand on connaît comment les Camerounais, le Cameroun lui-même fonctionne là, je te rappelle que j'ai suivi un jour où un ministère, on refuse de libérer son budget parce que la tête du ministre ne plaît pas au ministre des Finances. Non, ça, je comprends. Donc, le pire est compliqué. Donc, oui, non, je comprends. Est-ce que la FECAFOOT peut, si c'est revenu propre et autre, payer ses entraîneurs. Il n'y a pas de revenu propre. Non. Il n'y a pas question de revenu propre. L'argent, c'est pour les Camerounais. Oublions ce débat-là. Ah bon? Oui. Donc, donc on fait comme ça à chaque fois. Il dit que tu payes, je paye, je suis le patron, je ne paye pas. Ah, quand même. C'est un faux débat. Bon, OK. Le ministère n'a rien. L'Afrique-Afoot n'a rien. L'argent, c'est pour les Camerounais. Il n'y a pas de. Il paye. Il paye qui? Il prend l'argent où? C'est l'argent des Camerounais. Donc, que la FECAFOOT paye son salaire et puis donc, peut-être que la subvention du gouvernement arrive à la moyen. On va se perdre dans ce débat. Ce n'est pas nécessaire. Okay. D'accord. Vraiment, je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble. Je veux lancer demain. OK? Tant que ma santé. Tant que ça revient là, je serai là dehors. Vous comprenez? Reste toi. C'était un plaisir, hein? La prochaine. Bien, c'est demain, à l'appareil 1. Demain, c'est à quelle heure? Appareil 1, non? Il est quelle heure chez toi? Il est une heure. C'est quelle heure? Demain à minuit. Demain à minuit, ok. Minuit, ok? Ok, demain à minuit, alors. Merci, mon frère. Bon, reste comme. Au revoir, les gars. On est ensemble, à plus. Merci. Bonne nuit à toi. Ok, bonne nuit. Merci. Mesdames et messieurs, rendez-vous sur la lune. Rendez-vous sur le soleil. Restons optimistes. Restons positifs. Jojo Tchabou, j'ai vu ton commentaire. Nous n'avons pas prononcé le nom de Maurice Kamto ici. Il faut faire attention à ce que tu écris. Moi, j'ai fait une remarque sur l'opposition. Et tu as fait un commentaire très, très inapproprié. Nous avons assez d'éducation pour comprendre la stratégie qui va faire partie de ce régime. Et lorsque nous parlons honnêtement, ne verse pas dans des clivages pour dire qu'on nous restons dans nos salons et on dit que tel ne fait pas bien son travail. Il faut faire attention avec la manipulation. Là. C'est de la manipulation, c'est de la mauvaise foi. Il ne faut pas écrire des conneries comme ça. OK? Voilà. Donc, mes frères et sœurs, restons optimistes, restons positifs. Il s'agit de notre pays parce que si nous n'apportons pas notre voix au processus qui devrait permettre d'améliorer sa température actuelle, le pays va s'enfoncer. Le pays va s'enfoncer. Donc, chaque voix compte. Vos voix comptent, vos commentaires comptent. Et quand j'ouvre le débat, c'est pour que chaque compatriote vienne dire ce qu'il a dans les cripes. C'est très important. Et ma santé est en train de revenir. Donc, tant que je me sens à mesure de tenir, je serai là. Je serai là. C'est le chenou. Et je ne veux pas permettre la sauvagerie qui a été plantée.
dans les subconscients de beaucoup. On a transformé beaucoup en photocopie, beaucoup en sauvages. Et c'est pourquoi beaucoup sont beaucoup plus disposés à élargir le côté négatif au lieu d'élargir le côté positif. Beaucoup sont disposés à vivre dans la manipulation, refusant de voir la vérité. Ici, nous allons toujours être honnêtes. Nous allons parler de ce que nous voyons. Nous allons apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. C'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous allons faire. OK? C'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous allons continuer à faire. Pas de haine. Pas de haine. La haine tue. Ça ne nourrit pas. Ça te tue. Et nous voyons des gens là dehors, sous la toile. Il faut lire ce que les gens écrivent. Tu sauras ce qu'ils ont sur le subconscient. En anglais, on dit, when you open your mouth, you tell the world who you are. Quand tu ouvres la bouche, tu dis au monde entier qui tu es. Donc, insulter quelqu'un, passer le temps à insulter, à développer le négatif, à être condescendant. Comment tu travailles avec des gens comme ça? Je travaille pas avec des gens comme ça. Et entre nous, tellement d'hypocrites. Des gens organisent des marches pour récolter des noms qu'ils vont envoyer au service secret. En retour, on leur donne des contrats. Ils ont des contrats, ils vont y prendre l'argent, ils mettent dans les sacs Mandioc. Ils pensent que nous ne sommes pas au courant. Et ils vont revenir vouloir que nous on continue à travailler. Vous me faites rire. Vous me faites rire. La campagne sera pénible. Hein? Les gens auront le droit de se réajuster. J'ai tellement d'informations que je risque de surprendre plus d'une personne. Je ne suis un acquis pour personne. Je dis que je ne suis pas un acquis pour qui que ce soit. Parce que j'ai des informations à ma disposition qui me donnent la chair de poule. Et le moment venu, je vais les partager avec vous. Et je vais décider. Parce que je le dis tout le temps, ta vie, ce sont tes décisions. Moi, quand je prends mes décisions, je les assume. Avec l'hypocrisie, on ne va pas gagner. Avec l'hypocrisie, on ne va pas gagner. Avec les manipulations, on ne va pas gagner. C'est la conviction. Il faut planter cette graine-là et arroser. Il faut planter cette graine-là et arroser. Il faut modéliser la conscience. La conscience qui a foutu le camp avec le système actuel. La conscience a deux variables. La transparence et la responsabilité. La transparence et la responsabilité. Tu n'es pas transparent. Personne n'aura jamais confiance en toi. Il faut être responsable. Restons optimistes, restons positifs. Je vous dis que j'ai plein d'informations. Je vais les sortir quand je veux, Jojo. Personne ne peut me pousser à les mettre dehors. Vos mains sont légères. J'ai plein d'infos. Je vais les mettre dehors au moment venu. Je ne vais pas garder. The unfortunate truth. Bon, restons optimistes, restons positifs et avançons. Avançons avec espoir. Mais sachez ceci. Sur le plan national,
nous avons le même objectif. La différence entre nous, c'est au niveau des valeurs que nous devons utiliser et naviguer les complexités du processus pour réaliser ces objectifs-là. Certains sont malhonnêtes, cruels, haineux. Ils vont tuer, ils vont empoisonner, oubliant que dans la vie, tu peux t'en sortir sans empoisonner quelqu'un, tu peux t'en sortir sans poigner quelqu'un au dos. D'autres seront inclusifs, ils auront l'esprit d'équipe, ils seront honnêtes, authentiques, intègres. Et ils vont construire une équipe et ils vont utiliser ces valeurs d'honnêteté, de respect, d'authenticité, d'intégrité, d'inclusion, d'esprit d'équipe pour atteindre cet objectif de changement. Je m'arrête là pour le moment. Et je dis rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Ciao.